Bonsoir tout le monde, bienvenue sur PSTHCTV, comment allez-vous ce soir? Nous allons continuer notre aventure sur Vice City, nous allons commencer par les missions de flics parce qu'on est à côté et puis qu'un jour il faudra bien les faire malheureusement, mais bien que ça va nous donner 150 d'armure, donc il y a du positif dans cette chose. On a la tenue de flic, donc on va pouvoir rentrer très largement dans la base sans souci. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce jeudi, hein, que vous avez bien repris l'école potentiellement, vous, vos enfants évidemment, ou que ça va peut-être être demain, voire un peu plus tard évidemment, selon où vous allez évidemment, dans quelle année vous êtes. Et ça serait mieux. Non, non. Non, je tombe pas dans l'eau. Et ma voiture est toujours là. Elle roule toujours. Magnifique. Ça, c'est le vrai talent. Pas du tout. C'est de la chance. Bonjour. Bon, voilà, merci. On peut rentrer, s'il vous plaît. On peut rentrer, s'il vous plaît. J'ai mon patch. J'ai mon badge. Voilà, merci. Du coup, nous avons la Patriote, là c'est la Patriote, le camion militaire, le Hunter, si... qui est là-bas, on le voit, il est là-bas, et à partir de 100 paquets cachés, il apparaît à cet endroit-là, faut faire tout un tour d'ailleurs. Si vous ne savez pas par où passer, passons. Par où qu'on repasse. Retrouvons le chemin. Quel est-il? Il me semble, on commence d'abord par ici, peut-être bien. Ouais, il me semble que c'est par ici, on prend les escaliers, enfin si on ne vient pas en hélico ou ce genre de choses. Salut Gabrance, comment vas-tu? Donc c'est par ici, on fait le tour, on prend la petite plateforme, on se fait coincer par les soldats. Évidemment, parce qu'on y coince, bande d'idiots. Tant pis, on pourra point vous montrer le chemin, hein. Idiot de soldat. Ouais. Enfin bon, après on redescend, de souvenirs, on prend la... L'encadrement blanc, il faudra longer les baraquements pour arriver à une porte un peu plus loin, puis revenir dans l'autre sens en fait. Je crois qu'on voit peut-être un petit peu... Ah non, on voit que dalle. On voit que dalle. À mon avis, ça doit être les baraquements, les trucs blancs là. Hauteur du vous, ça monte, on fait la gauche, on remonte un petit peu, on va vers la droite, plutôt on remonte un peu, puis on repart vers la gauche pour arriver vers l'hélico. Bon, militaires qui sont un petit peu chiants. Du coup, on va partir sur les missions police, comme je le disais. Il faut bien le faire. Et c'est beaucoup plus facile avec le tank. Mais ça va très bien aussi, non, de mon côté aussi. Et du coup, la technique, un petit peu, c'est de retourner le canon du tank. Ah ben, ils sont pas contents que je le vole, par contre, quand même. Mais pas d'étoiles, mais ils me tirent dessus. Pour gagner... pas mal de vitesse. Il y a un PlayStation Showcase, oui, jeudi prochain, oui, j'ai effectivement vu l'affaire. J'ai eu peur que ça soit ce soir parce que je me suis dit, c'est bon, ils annoncent les trucs genre le matin. Super, mais non, c'est quand même une semaine avant. On verra. Il y a des chances qu'on le stream un peu, enfin en espérant que ça dure pas 3 heures non plus, comme d'hab, genre 45, une demi-heure. Un truc comme ça. Je crois pas que si c'est à 22h, ça peut être une demi-heure, ça peut aller jusqu'à presque une heure. Donc, il faudra voir surtout le contenu de ce PlayStation Showcase. Je crois que ça va parler de jeu PS5, il me semble avoir vu en tout cas le terme PS5. Mais ouais, attendez. Bien, le son n'a pas l'air d'être si fort que ça. Je commence à sortir d'abord de l'aéroport en espérant évidemment déjà ne pas créer trop d'accidents. Bon, voilà, ça arrive un accident, mais c'est pas ma faute. Ils l'ont bien vu. Bon, après je dis ça et ça se trouve, je vais devoir revenir directement ici pour le premier. Encore une fois, comme d'hab, je préfère toujours la première île. Parce que l'aéroport c'est un peu chiant.
On va se trouver ici, à Little Haiti, par exemple, ici, à hauteur, bien au milieu de l'écran. Et puis, ils vont nous mettre, évidemment, un crime à l'aéroport, qui est juste à côté, au vol d'oiseau, mais qui, évidemment, en véhicule, est un peu plus long. Et ça, c'est chiant. Donc, à un moment donné, de toute façon, on risque de voyager d'une île à l'autre. Pas bien. On va commencer, on va le faire. On lance. Et c'est bon, on va déjà pas aller à l'aéroport, c'est déjà c'est de gagner. PlayStation 5, ouais, c'est bien celui que j'ai déjà eu. Et du coup, le canon, on tire, et on va gagner de la vitesse pour aller tel un boulet de canon. Évidemment, si on se prend des arbres. Après, il est parfois aussi intéressant de retourner le canon. Tout simplement pour l'exploser. Hein. Exploser l'ennemi. Avec ça, et donc c'est surtout que avec le temps, le moindre véhicule, ben voilà, non, ça va. Le moindre véhicule avec lequel on va un peu rentrer en contact, condition un peu d'avoir au minimum une certaine vitesse, va exploser. Du coup, ben, ça va être beaucoup d'essai. Déjà, on va pas utiliser de munitions. Allez. De son fusil mitraillette, donc ça c'est un bon point, et en plus de ça, ça va être super principe, super facile. Évidemment, si on n'est pas trop interrompu, parce qu'après on va être vite interrompu par la police. Enfin, ils sont déjà, on est à peine au niveau 1, on a déjà 2 étoiles, et évidemment, les tanks vont arriver très vite. Salut la grimpeuse, comment ça, tu es en Hollande? Ah non, Hollande, tu fais péter le tank. Oh là. Non, oui, je fais péter le tank pour les missions de police. C'est camionnette qui est exactement la même à perturber. C'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps pour les faire. Bon, par contre, j'aimerais bien à un moment donné le détruire parce que le tank défile quand même un jour. Il va commencer à m'énerver. Voilà, merci. 3 étoiles et on est qu'au niveau 2, super. Le seul problème, évidemment, sera par moment quand on va être à l'arrêt, ou quand ils vont un peu nous stopper, c'est de ne pas se faire arrêter par la police. Ça va être comme souvent le plus difficile, mais là, ça va vraiment parfois être perturbant. Mais on peut monter très vite et très loin, aller très loin dans les niveaux. On va pas à l'aéroport, on va pas à l'aéroport, merci, j'ai pas envie d'aller à l'aéroport. Et du coup aussi, un peu trop de vitesse, là, malheureusement, je n'ai pas pu tourner. Ouais, les arbres. J'ai l'impression que ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Je suis déjà niveau 5 alors que je ne suis qu'au en étoile alors que je ne suis qu'au 3ème niveau. C'est un peu la loose. Ouais non, le c'est déjà mal barré. Je trouve que c'est déjà mal barré. Ça me donnerait presque envie de recommencer direct, de recharger directement pour gagner du temps. À mon avis, ça va être compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué. Et en plus de ça, on évite surtout aussi les problèmes de herse que posent les flics. Vous me dites, à mon avis, c'est un peu trop fort, non? Je vais peut-être diminuer un peu le son. Vu qu'on n'a pas de roues, du coup, on n'aura pas nos pneus crevés. Hein. Nos chenilles, évidemment, n'auront rien. Ça, c'est le bon plan aussi. Bon, plus on arrivera dans les niveaux, plus on aura même pas forcément plus d'ennemis. Et vas-y. Voilà, mais on aura surtout du temps. Hein. Et voilà. Le truc, on doit aller à l'aéroport. C'est arrivé. On va à l'aéroport, parce qu'on est juste à côté. Évidemment, si on arrive, on fait le code plutôt, ou pour le tank. Ou bien on a fait le bug pour aller chercher des paquets cachés et qu'on en a profité pour en ramasser 90. Ben, faire ça en début de jeu, ça peut être pas mal parce que...
On vérifie, oui. Parce que les militaires ne viennent pas en début de jeu, hein. On ne peut pas avoir 6 étoiles au tout début du jeu. Allez. Et du coup, on serait bloqué potentiellement rien qu'avec le FBI. Maximum. Bah, par contre, c'est vrai que quand les véhicules ils foncent sur toi, ils ont tendance à fort nous couper dans notre élan, hein. Mais bon, c'est pas forcément. Si, ça peut être marrant. C'est marrant avec tout le bordel qu'on fait. À part ça, c'est vrai que ça peut être parfois problématique. C'est du gros bordel, hein, cette mission. Vas-tu acheter les trois. Ah ouh! Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire, je crois que je viens de détruire ou de. Ah, ah bah, c'est la première fois qu'on atteint le niveau 6 en étoile. Donc les militaires vont arriver, malheureusement, après autant de live. Et les futurs remasters, il faudra voir si c'est des. Quand je dis ça, je les achèterai probablement. Hein. Les remasters, remakes, tout ce que tu veux de GTA. Mais il y a de fortes chances, oui, ils sont là. J'ai failli rentrer dans le tunnel. Ah non! Mais sérieusement, là? Bon. Il est passé où l'autre? Il a pas bougé, il bouge plus. Bon, par contre, on peut tenter aussi de revoler un tank plus tard au cas où le nôtre est en piteux état ou je ne sais pas ce qui s'est passé, on l'a coincé. Là. Et là, il est. Ah, toujours là, il est encore. Mais là, il va rentrer dans le. Il va être au tunnel en principe. Je crois qu'il va peut-être sortir de l'autre côté. Et là, il part plutôt de l'autre. Ouais, il part de l'autre côté. Hop. Sérieusement, il y a un petit muret là. Mais qui c'est qui met un petit muret là? Qui c'est qui met un parking? Un parking de 20 places, un aéroport? Non mais sérieusement. Il n'y en a pas beaucoup hein, de places. Il en faut 3 millions, il faut 5 étages hein, au moins. Pour un début. Ouais, par contre les flics et autres, ils sont un peu débiles, ils viennent se suicider. Hein. Ouais, heureusement qu'il n'y en a pas 7 ou 8. Le premier. Voilà. Bon, on va peut-être rester finalement dans la zone de l'aéroport, qui n'est peut-être pas un mal hein, au final. Le tank très solide aussi. On aimerait bien comprendre dans quel sens ils vont. Ouais, ils vont venir par ici. Ah, le tunnel, je sais pas si c'est le meilleur des plans en tank par contre. Je sais pas si c'est le meilleur des plans. Soit je vais me retrouver. Enfin non, je pense qu'on passe. Non, ça va. Ça va au final. Par contre, ils rentrent pas là. Ils sont plus haut que moi. Il y a une route au-dessus? Mais il y a une route au-dessus, sérieusement? Ah ben non, ils sont ici. Je suis idiot. Et du coup aussi, je l'avais pas encore dit, mais plus on avance, plus il y a d'ennemis à tuer. Hein. Et par contre, c'est buggé ou ça se passe comment là? Ben, c'est buggé. Il y a. Oh, c'est buggé. Sérieusement? Le décompte n'avance plus. Le décompte est bloqué à 4 minutes 2, le compte à rebours. Ah non, mais c'est déjà long. C'est. Bon, pas forcément chiant, mais long, comme je le dis. Si en plus de ça, ça bug maintenant. Ah, peut-être pas. Mais non, le compte, il aurait. Ah! Bah voilà. Ok, super. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils viennent par où du coup? Ils viennent. Ils font le même chemin. On est quand même passé de. On a gagné 3 minutes. Et du coup, je disais. Bon, bah, je sais. Tant mieux. Tant mieux. Je sais pas ce qui s'est passé. Et plus on va avancer dans les niveaux. Enfin, au moins jusqu'au niveau 12, au plus on va avoir d'ennemis à combattre. Hein, pour le moment, c'est une voiture. Après, là, on a pu voir qu'il y en avait une deuxième. Il y en aura ben, jusqu'à au moins 3 voitures. Avec parfois plusieurs personnes, ben, une à 4 personnes à l'intérieur. Dépendant du véhicule. T'es sérieux? Sérieux? T'as survécu, toi? Enfin, t'as survécu, t'as réussi à passer.
Mais là, mais pétez-le lui là. Et le canon par contre on sait pas régler, il me semble, sa taille, hein, sa hauteur. Donc il va virer, il va tirer n'importe où. Sauf là où on veut. Bon, gagnons de la vitesse à la place. On a réussi à bugger le jeu, ouais, bah certainement. Hein. Ça, à faire planter un peu le jeu, oui. Ah là là. Il faut s'échapper des tanks. C'est tank versus tank. Avec un peu de. C'est du PVP VE. Un peu. Sauf que l'IA c'est le PVP et c'est. Enfin, c'est du player, on va dire. On essaie de m'arrêter. Ça crachote un petit peu et qu'évidemment, bah, il faut encore tuer du petit mob. Mais heureusement, j'ai un perso super tanky moi aussi. Ah voilà, il y a trois voitures. On voit trois points jaunes. Dégage. Wouah wouah wouah. Mais t'es sérieux, ils m'évitent tous. Ils me gonflent. Vas-y, on tire avec le canon pour gagner de la vitesse et pour se dé pour sortir de ce petit piège. Bon, là c'est moche. Là, ça pue. Ça pue. Je dois vous l'avouer, c'est peut-être la fin. Oh, ça explose. Ça explose ce genre de conneries? Non, un tank. Un tank. Non, 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 non. Vas-y. Bon, évidemment, ça peut exploser un tank à l'envers. Voilà pourquoi, heureusement qu'on peut atteindre le niveau 6 et qu'il y a d'autres tanks. Et là, malheureusement, je pouvais pas faire autre chose. Hein. On est d'accord que tu es juste là. Que tu es juste là et que tu vas tourner ici. Du coup, tu vas devoir venir par ici. Ben, c'est pas mal. Je pensais pas devoir changer de tank. Ils sont pénibles. Hein. Ils sont pénibles. Ils sont pénibles. Est-ce que je vous l'ai déjà dit là? Le mec, il vient se... le tank qui vient se poser juste devant moi. Au final, je voulais pas jouer à l'aéroport, mais c'est peut-être le meilleur des plans. C'est peut-être le meilleur des plans. On n'est pas trop embêté par la circulation, par des virages. Voilà, comme je le disais, il faut quand même un minimum de vitesse. Sinon, oh mince, ouais, sinon ils explosent pas. Hein. Et du coup, je suis qu'à niveau 11, me semble, c'est ce que j'ai cru voir. Là, par contre, c'est quand même pas. Non, ils sont devant l'aéroport là. Enfin, ils sont pas. Ils sont sur le tarmac. Ils sont sur le tarmac. Sérieusement, je suis pas sûr de rentrer. Hein. Je suis. Non, voilà pourquoi je voulais pas à l'aéroport. Le tarmac. Est-ce que je passe? Est-ce que je rentre? Ouais, j'ai rentré le ventre. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de circulation non plus sur le tarmac. En principe. Je veux juste pas se coincer. Avec les avions, comme ça par exemple, je vous montre évidemment ce qu'il ne faut pas faire, et c'est fait pour ça le stream. Eux par contre, ils peuvent passer largement en dessous des conduites, des sortes, enfin des conduites pour les passagers là. Allez, mais purée, le truc tu tires, ça touche pas, ça tire tout partout sauf là où tu veux. Du coup, on est d'accord que. Il va pas survivre longtemps. Voilà, merci. Et niveau 12. C'est bon, on peut arriver à la dernière ni au dernier niveau. Ils sont planqués où? Ils sont planqués où? Ils sont. Sur le tarmac, non? Je dirais, ouais. Des petits avions, on peut pas les piloter. Bonjour. Surprise! On pourrait continuer, hein, aller très loin, très, enfin très loin et très, enfin pas forcément très vite. Souvent, ben voilà, gilet pare-balles, petit trophée pour la justice évidemment. La justice un peu expéditive. Vas-y. Ah, et je veux au moins les avoir ces deux-là et puis on va arrêter. Parce que maintenant la question va être évidemment de comment réussir à sortir de 6 étoiles.
sans mourir. Parce que j'aimerais bien garder mes munitions. Hein. Sinon, ça m'intéresse pas au final. T'es sérieux? Ouais, renverse-toi. Et vas-y. Et l'autre là, il se prend les explosions, il meurt pas. Là, il va m'énerver. Hein. Ah, il va exploser. Voilà, c'est bon. On arrête, on a dit. 8 450 $. C'est pour ce niveau 13, on va au niveau 14. On monte à 8 000, je sais pas, 8 600 peut-être, 8 700 et ainsi de suite. C'est un moyen de se faire de l'argent, hein, tout simplement, quand on en a besoin. Le tank. Un petit saut unique. Allez, on y croit. Oh. On aurait peut-être pas dû le faire avant le saut unique pour voir ce qui se passe. Non, 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 reste en vie. J'ai besoin du tank pour la suite. Ouais, on aurait quand même fait pas loin de 50 mètres en tank. C'était magnifique. Bon, on n'aurait pas eu le saut unique. Mais, ma foi, bon, pas assez de vitesse. J'aurais peut-être dû accélérer beaucoup plus tôt. Mais c'était joli, c'était une belle tentative. Alors, le but, je disais, maintenant, c'est de ne pas se faire arrêter. Il y a deux techniques. Il y a des techniques assez moches. Arriver à essayer de voler une voiture et prendre évidemment un PN spray. Technique de riche. Je suis pauvre. Le PN spray, c'est pas pour moi. J'ai pas l'argent. Je n'ai pas, je sais pas, 1 000 $, 200 $. Je sais pas combien ça coûte. Je n'ai pas tout ça à dépenser pour ce PN spray. Nous allons tenter une technique un peu de la déco-reco. C'est pas très beau. Mais on va pas s'empêcher de le faire. Essayons si possible de, en plus de ça, de garer le tank dans un garage. Pour dire c'est bon, regarde ce que j'ai dans mon garage. Je serais un petit peu dégoûté. Ah flûte. Ah ben on peut mettre dans le troisième. Ah mais c'est vrai qu'on a un PN spray juste à côté. Hein. Donc je prends la manana, je vais dans mon PN spray qui est juste en face là, et puis c'est gagné. Hein. J'avais dit je suis pauvre. Je suis pauvre. Faut survivre. Par contre faut survivre. Faut survivre. Non non faut survivre. On sauvegarde. Tranquille. J'ai toujours 6 étoiles. Astuce. Je charge. Et là, vous voyez, technique de vrai joueur, technique de lâche plutôt, technique de faux joueur. Et voilà, plus d'étoiles, j'ai survécu, c'est pas pro, mais ça le fait, ça fonctionne. Et on a surtout, quand on ira chercher un gilet pare-balles, 150 de gilet pare-balles. On a sauvegardé, on va tenter une course qu'on n'a pas encore fait. Du coup, il faut que je reprenne évidemment mon petit papier pour indiquer ce que je viens de faire. Mes techniques un peu malgaches. Et donc oui, j'achèterai très certainement les GTA, mais en espérant que ce soit quand même un peu plus du remake que d'un remaster pour visuel, enfin pour que ce soit encore un petit peu plus 4K. J'aimerais bien. Mais après, c'est vrai que si on fait un remake, on pourrait peut-être perdre un peu cette patte parfois graphique qu'ont les jeux. Et surtout, du coup, on partirait quoi sur du truc à la GTA, avec des graphismes avec de quoi GTA 5, par exemple, pour des vrais remakes. Surtout qu'ils font GTA 6, donc ils ont déjà du boulot. Alors, non, on n'a pas une cheetah garée quelque part. Le bus, on avait dit qu'on le reverrait plus jamais. On l'avait déjà revu juste après, de toute façon. Bon, on en croisera peut-être une. Donc, je sais, il y en a une sinon. Vrum, 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 vrum. Du coup, la cinquième course, tant qu'on y est. Tant qu'on était ici, ben là, voilà, là. Bonjour. Nice car! Tiens, je te prête la mienne. On
On a pu vite fait voir que la sixième course est légèrement plus longue, enfin évidemment c'est la plus longue et de loin. Donc on fait à peu près le tour de la ville. Hein. Mais si j'ai un véhicule. Le bâtiment à gauche hein, que l'on a fait péter lors d'une mission avec un hélico télécommandé. Comme si ça, si là ça se voit enfin. Non, la technique, on n'attend pas. On percute et on arrive à prendre la première place. En plus de ça, vraiment les mauvaises techniques. Les techniques des mauvais joueurs. Ah non, la voiture là. Oh, wow. Pourquoi la voiture elle a déconné là? Je sais pas pourquoi elle est par... elle a fait ce petit tête à queue ma voiture. L'hôpital devant moi. Là où j'avais fait ben, l'émission évidemment. C'est avec celui-là. Beaucoup plus pratique parce que merci la police. Deux entrées. Puis ici la grande route, la plage juste à côté. Je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour faire l'émission d'ambulance. Et puis on l'a directement dès le début du jeu surtout aussi. Pas mal d'atouts. On n'a pas de petits, par contre, c'est un peu dommage par moment, de petits repères pour les autres concurrents. Il faudrait quand même pas qu'ils démolissent trop ma voiture. Hein. J'ai une course à faire, si ça les dérange un peu. J'aimerais bien la terminer, si possible, sans changer de voiture, parce que c'est une perte de temps. Je viens de voir un autre concurrent passer là, non? Non, c'est juste une belle bagnole, c'est tout. Hop, je tourne. À mon avis, on va faire le tour du chantier très probablement. Pour se remettre dans le bon sens, je dirais, ouais. Alors faudrait pas exploser maintenant, faudrait pas perdre la course parce que on ne sait pas comment. Faudrait pas se faire tuer ou faudrait, si on se fait détruire la voiture, évidemment réussir à en rechoper une derrière vite fait. Et voilà, on l'a eu. 20 000 dollars. Elle a coûté l'argent de la course. La 5 c'est fait. J'ai dit qu'on allait faire du commerce. Ah mais oui, ma Cheetah devait être probablement dans le garage de la baraque. On devait faire, j'avais plus ou moins promis des braquages me semble. Potentiellement en tout cas. Malibu Club, sauvegardons. Ah mais non, j'ai besoin du coup de ma Cheetah. Parce que je vais faire la course. Ben, je vais refaire une course, mais cette fois-ci c'est pour une mission. Et celle-là, elle est beaucoup plus dure. Elle est beaucoup plus dure. Voilà, 300 de vie, c'est le max. Wow. Les gens, là. Les voitures qui écrasent les piétons, là, ça m'énerve. Personne ne va tilter. Salut Kilou, comment vas-tu? Comment vas-tu? Est-ce que tu passes t'as passé une bonne journée? On vient de faire la mission des polices, du coup on est passé comme tu peux le voir à autant de points de vie. Et à 300 points de vie en tout. Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? Que passe, amigo? The plan is you keep doing that like a moron. Maintenant il va nous falloir un chauffeur. Tommy, I'll do it, I can drive. You want Hillary, mister. Not some smart talking law school chum. Hillary's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. I'll give him a call here. Hey, Hill. It's Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north.
No, no, I don't think he was in the service. But he wants a driver for a bit of action. Okay, I understand. What'd he say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with his mama. Anyway, he wants to race you first. Said he'd meet you outside. Voilà, malheureusement, ce pilote hors norme, apparemment, qui est super bon, pose une petite condition pour qu'on travaille pour lui. Il faut le battre à la course. You Tommy? Of course you're Tommy. I mean, why else would anyone want to speak to me? Okay, consider it this way. I'll drive for you if, and only if, you can drive properly. Leave me alone, and I'll never forgive you. Effectivement, comme elle a dit Phil, il a des problèmes d'abandon, hein. Et il fait la course, lui, avec la Sabre Turbo. Ah mais j'ai une voiture par défaut, peut-être. Ah, c'est la loose. Je pensais que je pouvais aller choisir ma voiture. Ah, j'avais oublié ce détail de loose. Ah là, ouais, c'est vrai qu'il faut pas... Ouais, en plus de ça, on se tape 2 étoiles. On a peut-être mal commencé la course. Le but, c'est de vraiment être un petit peu un salaud avec Phil. Faire ce genre de choses parce que il conduit vraiment bien. En plus de ça, comme j'ai dit, nous avons la police. Il fait pas forcément de cadeaux, lui non plus. Donc, un prêté pour un rendu. Et puis, il a une meilleure voiture que nous pour la course. En plus de ça, il va nous rattraper assez facilement. Hein. Enfin, certainement. Voilà, il est déjà bien derrière, juste derrière. Donc, essayer de l'envoyer dans les corps si possible. Bien prendre les virages. Évidemment, après tout ça, va aussi dépendre des flics. Voir s'il décide d'être un peu méchant ou pas. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Après, voilà, comme on dit, pour le moment. Un virage, et si un mauvais virage est si vite arrivé. Je le vois toujours pas, je l'ai pas vu derrière. On va repasser devant le chantier en principe. Et on va revenir sur l'île et après je crois que c'est directement retour vers le Malibu Club. Oh, voilà, ce policier là qui vient vraiment mal. En sens inverse à toute vitesse. Lui par contre, c'est par exemple vraiment le policier qui peut vous faire perdre la course. Surtout que Phil est encore une fois, comme je disais, ouais, il est juste derrière. Hein. Ouais, il a été un peu embêté par la police, heureusement pour moi, mais voilà. J'ai réussi à gagner du premier coup, je m'attendais pas forcément. Ce qui fait plaisir. Ce qui fait même très plaisir. Hein. Au Malibu, on peut sauvegarder au Malibu. Idiota, mais c'est pas, je ne suis pas idiota, mademoiselle. Bon, ben, on a à peu près tout ce qu'on devrait avoir besoin. On a 300 de vie, on a des armes avec des munitions. Regardons. Hein. Braquage. Le petit braquage va arriver là tout de suite, maintenant. Assister à la scène. On va voir si on le réussit du premier coup, par contre, ça c'est moins sûr. Il y a quand même pas mal de petites phases, pas mal de combats, il y a moyen de mourir. Là, surtout quand on va vouloir évidemment s'évader du braquage, l'évasion, enfin et de la banque, ça risque d'être un peu compliqué ce passage. C'est souvent signe de fail et de devoir refaire malheureusement la chose. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. I don't...
Aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken! Like... Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. Non, je crois que ça n'explique pas forcément mieux ce que doit faire Hillary. Hein. Juste conduire la voiture, hein. c'est pas si compliqué que ça. Great. A passenger. We'll tell the group about this. Allez, du coup, on y va en taxi. Je conduis. Ils peuvent être un peu neuneux à monter aussi dans la voiture. Ça va être pour ça que ça va être un peu problématique. La fuite de la banque justement pour que faire en sorte que l'IA monte dans la voiture le plus rapidement possible sans se faire dégommer la gueule parce qu'évidemment il y aura de nombreux flics qui vont m'attendre à la sortie parce que oui évidemment ça ne va pas bien se passer, c'est évident, on n'est pas dans les super cambriolages de haute voltige ou je sais trop quoi. À la Ocean, la saga des Oceans où ça se déroule nickel, même quand il y a la police qui arrive, c'était prévu. Hop, désolé. Vas-y, quoi, ton clignotant, mec. Et tiens ta droite la prochaine fois que tu tournes à droite. C'est vrai qu'on a des routes assez larges, on peut mettre deux bagnoles côte à côte. En tout cas, Starfish Island. Hop. Keep driving around the block, okay? Okay, Tommy, okay. Vas-y, on récupère certainement 2-3 armes. On essaie de franchir cette départementale nationale, je ne sais pas tout quoi, sans se faire écraser. Ou nos copains surtout. Ce serait bien de garder ces 300 points de vie aussi. Okay guys, nice and easy, just as we planned. Petit moment camouflage. Petit moment déguisement, encore une fois. Il ne faudrait pas qu'on nous reconnaisse. Magnifique. Magnifique. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Allez, donc Phil monte la garde. Nous montons à l'étage. Qui n'est pas ici. Où est l'entrée? Lui, c'est un peu plus sur le côté, non? Ah, c'est derrière le bureau. Putain, il était pas loin. Perdu du temps. Désolé, j'ai pas retenu les lieux avant. On va voir quelques ennemis évidemment. Là. On peut voir qu'il y a un gilet pare-balles. J'espère que je l'ai pas pris. Enfin, non, je l'ai pas encore pris. Je dois le tuer ou plus? Je ne sais plus si je dois le tuer. Ah non, peut-être pas de suite. Enfin non, je vais pas devoir le tuer de toute façon. D'abord j'aille encore une fois à l'étage. Monsieur là-bas. Un autre ici. On recharge. Nous prenons l'ascenseur pour aller évidemment à la salle des coffres. Il y a un monsieur imprévu. Voilà. Donc fais gaffe, au tournant il y a souvent quelqu'un. Damn! It's a flangey 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find the manager. I'll go find where he's holed up. Et voilà, du coup, on a pris avec nous le meilleur perceur pour qu'il nous dise d'aller chercher le directeur parce qu'il est trop nul. Super. Type de bras cassé. Y'a pas un autre? Bill, things still sweet? Non, désolé. Sure. Everything's real quiet. You, bonjour, monsieur le directeur. Ok, just don't shoot. Ouais, et on a en plus de ça de la vie dans le bureau du directeur. Donc, vie et. J'ai des pare-balles pas loin l'un de l'autre, au cas où on est un peu en rade.
It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Allez, on retourne. Hop. Et voilà, quelqu'un a malheureusement appelé l'alarme. T'inquiète, je suis là. On va derrière le bureau et on va devoir malheureusement maintenant devoir repousser le SWAT. They're crapping themselves! You rotten bastards! Tommy! The vault's open! Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay. Sauf qu'on avait quoi, apparemment 3 étoiles et le SWAT c'est... si, il y a des gens, personne ne parle, c'est tout. Et salut Pity, comment vas-tu? On a 3 étoiles et le SWAT est là, alors qu'ils apparaissent à qu'à partir de 4 étoiles, hein, c'est une arnaque. Voilà. Vas-y, le décor là. Ouais, bah je prends. Je vais peut-être aller rechercher vite fait le hyperbal. Comment vas-tu, Pity? Comment... Non, ça c'était le cœur. Bon, comment allez-vous tous, évidemment? Ah oui, les caméras, si on veut. Je voulais reprendre du gilet pare-balles. J'en avais perdu quand même 100 points. C'est pas rien. Et donc voilà, c'est pas... souvent à partir de maintenant que ça merde. Hein. Ça peut partir n'importe comment. Le but va être donc de remonter tous dans la voiture. J'ai déjà tout dit, malheureusement. Ah ouais, Hillary n'est pas encore là. Le SWAT est bien là. Toujours 3 étoiles alors que ça va partir de 4. Et maintenant, va falloir faire en sorte que Phil et Cam montent dans la voiture. Non. Ah. Il y a peut-être moyen là, vu qu'on avait foutu les policiers avant. Ils sont là les deux? Ah non, mais il y en a... Oh non, 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 non. Putain, je suis pas parti. Ben non, c'est pas normal. Ah, quoi que si, il y a Cam qui meurt peut-être. J'ai merdé. J'avais dit ça peut partir n'importe comment. Là, je me suis fait arrêter malheureusement parce que je suis pas parti dans la bonne direction. J'aurais pas dû essayer de forcer le barrage des SWAT. J'aurais dû pas lui partir sur le côté comme avait plus ou moins été arrivé Phil. J'aurais plus dû repartir dans ses roues en fait, dans ses pas. Et là, il y a au moins, c'est pas bouché. Mais si je vois tes messages, enfin, je vois j'ai vu ton bonsoir. Et après tu demandais s'il y avait des gens et si on voit tes messages. Ouais, donc oui on les voit. Il y a juste personne, ça parle pas trop. Salut le vrai Théo, comment vas-tu? On va recommencer le braquage malheureusement. M'en doutais que ça allait foirer. Hein. Une petite sauvegarde là sur l'émulateur, une sauvegarde d'état et on recommence à chaque fois au moment de sortir de la banque. C'est le mieux, c'est l'idéal. Pour pas devoir tout refaire à chaque fois. Pénible. Allez. Merci. Savoir aussi que dès qu'un PNJ est souvent a ouvert la porte, je leur parlerai si avec les missions taxi, on peut déjà démarrer. Hein. Ça peut gratter une, voire une à deux secondes, enfin au moins une seconde. Bon, ici c'est pas très important, mais c'est surtout quand on fera les missions taxi. À force, vu qu'il y a pas mal de niveaux à faire, ça peut être pas mal de pouvoir gratter ces quelques secondes. Pourquoi ai-je tenté de forcer le barrage des SWAT? On était bien. Par contre, j'ai eu l'impression qu'il y avait qu'un mec qui montait dans mon... Dans le taxi au lieu de deux. Une perturbe.
parce que Phil survit. On retrouve Phil dans GTA 3 qui se passe des années plus tard. Hein, et quand même, par contre, Larry, on ne les revoit plus. Et c'est du coup, salut Vassili, comment vas-tu? Pas encore fini mon jeu next-gen? Non, pas encore fini. On est sur des lives pas encore très longs. Enfin, pas très longs, du coup, ça prend du temps. Il faut malheureusement, ça prend une bonne vingtaine d'heures, entre 20 et 25 heures à mon avis, enfin, dont en jeu pour faire le 100% pour moi. Enfin, en tout cas, la dernière fois que je l'ai plus ou moins fait. Du coup, avec des lives de 2h30, ça prend un peu de temps. Hein. Quand même, il en faudra quelques-uns, une bonne dizaine. Et salut, Spider Bleu Offi. C'est Horizon Zero Dawn 2 Forbidden West, qui vient d'être disponible en précommande hein, depuis 16 heures. Et apparemment, il y a déjà la grosse édition qui serait peut-être en rupture de stock ou je ne sais pas quoi, ou elle a peut-être été refournie. Du coup, c'est Horizon Zero Dawn 2 qui va sortir en février. C'était pas 2022? C'était pas ce genre de truc? C'était pas ce plan-là? Non, c'était pas ça. C'était quoi qui sortait par là? Ah, c'est quoi? Je dis ça, c'était peut-être ça au final. Je ne sais plus. Il me semble que ça sortait très tard, de toute façon c'est pas de suite. Il me semble que c'est en 2022, non? Ou c'est Ah oui, si, février 2022, donc c'est dans quelques mois, ça va. Attends, tu vois le platine Vice City? Là, t'es en train de le platiner. Ici, on va pas le platiner, on va juste faire le 100%. Il y aura donc plusieurs trophées qu'on n'aura pas. Mais j'ai déjà platiné le jeu sur mon compte. J'ai expliqué comment faire pour le titre de parrain. Évidemment, le plus gros souci. Oui, on s'en fout. Je veux juste l'arme. On s'en fout, j'ai dit. Je veux prendre l'arme. Et le. S'en fout. Ah. C'est les mêmes images. Tiens, d'ailleurs. Mêmes images qu'au manoir. Hein. C'est le manoir de. De Scarface. You're coming with me. Je ne savais pas. Du coup, God of War, de quoi tu... Ah ouais, tu es en train de platiner God of War. Non, au début, j'ai cru que tu étais en train de justement faire le jeu. Mais non, God of War, le dernier God of War, le sorti sur PlayStation 4. Très bon jeu. Hein. Très bon jeu. Bon courage à toi. Bon, il est pas forcément... Enfin, ça dépend dans quelle difficulté tu le fais, bien que tu ne sois pas obligé de jouer en très compliqué, mais si tu aimes le challenge, peut-être. C'est quand même un peu long, avec son monde semi-ouvert, pas mal de loot un peu partout, les corbeaux d'Odin à tuer, les Valkyries, qui sont un sacré challenge. Même dans des difficultés moindres. La reine, faut pas s'y fier, hein. Elle est pas reine pour rien. SWAT team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy. Lake City SWAT, you are completely surrounded. Et donc, comme je disais, j'ai expliqué comment faire le platine parce qu'il y a un trophée qui est très relou, qui demande malheureusement de jouer tout en ne jouant pas et qui prend malheureusement des heures et des heures. J'ai expliqué la technique pour pouvoir le faire. Je pense que je réexpliquerai très certainement lors du dernier live à la toute fin quand on aura fini le jeu. Oula. Oula. Oh oh. Ils font mal là. Ils font mal les cocos là. Je vais aller rechercher donc, comme je disais, bouclier. Même s'il y a encore. Non, je me trompe encore une fois de salle. C'est où la sortie? On voit rien. On se fait avoir. Voilà. On va courir vers la sortie. On va voir comment ça va se passer. Allez, une petite sauvegarde d'état ici. Et puis ça se passe bien. On recommence que ici. Ça sera magnifique. Le dernier en attendant, Ragnarok. Effectivement, on l'attend tous avec impatience. Hein. On l'attend tous, je pense, en tout cas tous ceux qui sont fans de la saga et qui ont apprécié le dernier. Je suppose qu'il va être dans le même gabarit. Hein. Hey,
Ça serait bizarre s'ils retournent sur les anciens God of War maintenant, surtout qu'on est, on a quand même changé de mythologie. Alors, on commence à tuer les mecs à côté, sinon on se fait arrêter et ils meurent tous surtout. Vas-y, vous montez, le premier est monté. Voilà, ça peut vraiment, comme je dis, faire n'importe quoi. Et là, par contre, c'est vrai que je... Aïe, 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 attendez, il faut que je retourne. C'est plus où je dois aller, en fait. Je sais que je ne joue pas forcément... Ouais, quoi, vas-y, on va tenter. Soyons idiots. Ah, mais non, il m'indique le PN spray. Je suis obligé de retirer mes étoiles. Alors, est-ce que je fais est-ce que je suis un joueur PN spray cette fois-ci? Ou est-ce qu'on va chercher des étoiles pour baisser l'indice? Sauf que comme je suis de ce côté-ci, les étoiles sont un peu relou. Faudrait que je traverse le pont pour aller récupérer mes étoiles habituelles. 1, 2, 3 facilement. Faut juste arriver à traverser le pont. Et au moins à prendre la première étoile déjà. Vas-y. Le seul moment où j'ai envie de dire j'aurais envie de prendre le PN Spray, c'est pour faire les missions au taxi. Parce que j'aurais peut-être tendance à partir sur et tenter de faire le plus de missions taxi d'affilée. Oh oui. Oh. Non. Bon bah, je suis un joueur PN Spray, tant pis. Ou alors c'est pas le bon pont à traverser, c'est surtout ça, c'est pas le bon pont à traverser celui-là. Y a pas de rambarde assez haute. Le véhicule qui avait pris cher, à mon avis, Starfish Island, ça aurait été vraiment mieux. On essaie de faire un petit peu du jeu, hein. Parce que c'est vrai que j'ai repris le PN Spray, c'était gagné. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un moment donné, on essaie de faire le beau geste, certes, mais il faudrait surtout faire le jeu, aussi. Ce que vous pourrez peut-être apprécier à un moment donné. Et con, c'est que le braquage en lui-même, c'est un peu la partie la plus longue et c'est ce qui est le plus facile. C'est la fin qu'on a envie de faire rapidement. Bon, ne pas prendre le troisième pont, c'est l'enfer. Ça semblait bien au début avec le flic qui était dans le même sens que moi. Puis sont arrivés les flics dans le mauvais sens. Horrible. Tommy, Hillary's taking up too much room. I am not! R2! Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. Alors que non, mais même, je vais prendre le PN Spray, hein, vaut mieux. Parce que la voiture va déjà bien se faire amollir en voulant quitter la banque, la voiture va déjà bien se faire démolir la gueule. Du coup, arriver à traverser tout Starfish Island sans me faire percuter par les flics. Non, faut quand même mieux jouer, je pense, avec le PN Spray. C'est pas trop grave. Le PN Spray, de toute façon, je compte certainement l'utiliser avec les braquages. Enfin, là, c'est vrai que je fais une mission de braquage de banque. C'est bon, quoi. Mais il y aura 15 braquages de magasins à effectuer dans le jeu pour le 100% aussi. Et du coup, on va devoir aller jusqu'à 2 étoiles. Il y en aura certains où on prendra les petites étoiles. Pour ne pas devoir aller au PN Spray, mais il y en a d'autres, ça serait quand même plus simple. Ok, guys. Nice and easy. J'aurais dû faire le PN Spray du tout. Juste avant. On aura déjà fini la mission, on pourrait passer à un autre commerce. Pourquoi ça se bagarre là? Faut arrêter les Cubains et les Haïtiens là. On essaie de faire un braquage proprement, nous. La police qui va déjà arriver à cause des PNJ. Ils vont savoir qu'on commence le braquage bien trop tôt. On va pas pouvoir ramasser de l'argent, ça ne va pas le faire. Phil, hold down the fort. Wilco, roger that. Come on, Cam, the vault's upstairs. On va déjà aller tuer ces deux là. Merci. Merci. Cam, c'est relou. Tu bloques la sortie.
sorry, asshole. Oh, you're a goner. Il m'a fait mal, lui, partout. Ça fait mal. Salut, Max Kane, comment vas-tu? As-tu passé une bonne journée? C'est la première fois qu'on fait le braquage, on espère réussir du premier coup. Hein. Évidemment, pour toi, c'est la vérité, pour d'autres, c'est un léger mensonge. On est à la troisième tentative. La première, c'est un peu fini par une arrestation de ma part. Malheureusement, je suis parti dans la mauvaise direction. La deuxième tentative, j'ai tenté de faire le beau jeu, je n'aurais pas dû. Du coup, le troisième, on va... Enfin, j'étais parti pour retenter un autre beau jeu, mais sur un chemin différent, mais c'est peut-être pas non plus l'idéal. À un moment donné, vous en avez marre de la mission, vous allez vous dire, réussis cette foutue mission, parce que même... parce que quand je voudrais la faire mauvais jeu, enfin un jeu plus court, je risque de la foirer aussi. Hein. Et du coup, ça va très bien aussi pour ma part. Ça va bien. On va réussir le braquage. Je suis sûr, Max Kane, que tu vas m'apporter l'énergie qu'il me faut pour réussir ce braquage. Je te vois bien en petit braqueur là. Avec moi, on va réussir, on va aller très loin. Ouais, je suis là, c'est bon. Donc un de ces messieurs dames a malheureusement appuyé sur un petit bouton là, pour appeler la sécurité, enfin les SWAT en tout cas. C'est pas cool. Ils lancent l'assaut alors qu'on a pas mal d'otages. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait dans les films, de ce qu'on voit. Mais sérieusement, on peut pas lui tirer dessus quand il fait sa roulade, là, quand il est en train de descendre. Oh là là, ça va bugger parce que la hitbox... Non, je sors pas de suite, hein, les gens. Oh, par contre, le truc, il descend pas jusqu'en bas, là, c'est relou. Je vais rechercher toujours... mon armure, et comme je connais le jeu, je sais que c'est dans cette pièce là. Alors une fois, le mec qui ne s'est pas trompé deux fois avant, alors qu'il avait vu où était le gilet pare-balles. On va réussir. On espère que va nous faire Hillary. Comment va réagir la police, le SWAT? Parce que la première fois, on s'était fait arrêter par Miami Vice, malheureusement. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Allez, tu peux te cacher derrière la voiture, pas devant. Voilà. Ah, mais non, j'ai peur qu'il était pas mort. Bon, il est où? Ils sont montés, les deux? Ouais, ils sont... Mais il y en a qu'un qui est monté, on est d'accord. Et c'est pas grave. Ils vont pas me dire que j'abandonne Jean-Claude, mais... Tout à l'heure, on en a... Ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. On a dit on fait le jeu, malheureusement, mais il n'y a que Phil qui est monté, il est passé beau, Cam. Il était avec moi tout à l'heure. Et on va... Mais on va chez Cam en plus de ça, on va chez lui. Ça serait bien qu'il soit là, ça serait ma foi sympathique. Du coup, LPN Spray, quand on l'a utilisé, on peut voir que les étoiles clignotent. Pendant le moment où les étoiles clignotent, il faut pas faire de bêtises, sous peine de récupérer toutes les étoiles qui clignotent. Bon, voilà, c'est bon maintenant. Elles sont définitivement perdues. Enfin, parties, donc c'est bon, on peut refaire l'idiot, on ne regagnera qu'une étoile, ou deux si on écrase un flic. Par contre, on a perdu Cam, hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord, on est que deux dans la bagnole, on devrait être trois. Mais par contre, l'argent n'est pas divisé en parts égales par rapport au restant. Quoi qu'on aura toujours 50 000 dollars. Ah, et Mercedes qui m'attendait. Oh, Mercedes, merci. Mon pseudo PSN, c'est le même que mon pseudo tout court, Pilobile.
C'est la même chose, c'est pas très compliqué. Et maintenant qu'on a fait la quatrième et dernière mission pour le Malibu Club, il va commencer à rapporter de l'argent. Et 10 000 dollars, c'est le commerce qui rapporte le plus. Donc évidemment, pensez à récupérer l'argent régulièrement. Et on finit avec un, ma foi, un beau costume. Que l'on connaît déjà. C'est ma foi très triste. Ah, une comète, merci. C'est que du coup, Cam est mort. Parce qu'il me semble pas qu'il meure forcément. Hein. Donc 50 000 dollars, c'est l'une des trois missions qui rapporte le plus. Il me semble on a à quoi coûte deux missions. On a quand on récupère le manoir de Diaz, on gagne 50 000 dollars en plus du manoir. Avec le braquage de banque, 50 000 dollars. Et je me demande si à la dernière mission de l'histoire, on gagne pas aussi de l'argent. Et si oui, si ça serait pas justement le même montant. Since original numb, pal. Anyhow, if you need anything, you call on me, you hear? Always remember those I served with, and I'm sure I can help you out, you hear? Voilà, Phil Cassidy qui nous appelle. Je sens bien que c'était lui en tout cas. Autre commerce, le cinéma. Le cinéma, ça peut être bien. Vous arrivez au bon moment si vous voulez du cinéma, là, on va voir. On n'oublie pas un film pour adieux. On va voir des jolies formes. Et salut Damien Angeles. Comment vas-tu, Damien Angeles? Voilà. On est sur GTA Vice City, comme tu peux le voir. On fait des commerces, on avance. On vient de faire le braquage de banque. On vient de gagner 50 000 dollars. On a fait en sorte que les Malibu Club génèrent de l'argent. Et maintenant, on va s'attaquer au studio de cinéma. On va tourner un film olé olé. Un film, monsieur, soyez majeur. J'espère que vous êtes majeur dans la salle. Sinon, fermez les yeux. Ou mettez, faites comme les grands. Faites comme les grands qui ne sont pas encore assez grands. Mettez les mains devant les yeux. Faudrait pas quand même. Il y a des choses, voilà. Regardez ce genre de... Heureusement, le plan est assez sympathique pour ne pas tout montrer. Et on voit déjà un peu des choses. Ah, malheureusement, le plan monte tout ici, à l'inverse. What is all this crap? Aliens, fishing poles. Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go. Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art. Je sais, il dit qu'on est dans le champ, alors qu'on n'était pas du tout dans le champ, mais c'est pas grave. Salut, du coup, Vassili. Un sacré morceau, effectivement, 30 cm, ce n'est pas rien. Et du coup, que fait-on avec des cannes à pêche et un requin aussi grand? Le mec, il veut déjà nous caster. On vient à peine d'arriver, le mec, il veut nous caster. Alors, Candy Sucks serait parfaite pour un premier rôle. Déjà un nom de star. Ça, c'est un nom de star, vous ne pouvez pas le nier. Non, ça n'ira pas. Il me faut une voiture 4 places. Pour, je vais devoir aller chercher une autre personne après, de souvenir. Donc, enfin, après c'est de souvenir, je me trompe peut-être. Je peux t'ajouter sur le PSN, t'as de beau platine. Bah, comme je disais, mon pseudo PSN, c'est le même que mon pseudo que vous pouvez voir en haut à droite. Il est peut-être légèrement... On voit peut-être pas très bien avec l'arme, mais pile au bill aussi, non. Et puis si j'ai des beaux platines, si c'est une question... c'est à chacun de répondre à celle-là. Je trouve qu'il y en a de beaux, il y en a des moins beaux évidemment. On va être honnête. Bah, en tout cas, il y en a quelques-uns. C'est normal qu'il y ait aussi peu de voitures ici. Un peu triste, c'est un peu triste. Une 4 portes, je disais. Ah, elle est géniale. Ça, c'est une bonne voiture. 4 portes, rapide.
maniable quand même, assez résistant je trouve, c'est une bonne voiture. Elle était, c'est pour ça que je l'ai gardé tout. Par contre, il pleut. Ah, ça c'est la tristesse. C'est la tristesse d'un joueur, la pluie. Je crois qu'il vaut mieux que je la garde. Peut-être pas forcément. Ah oui, normal. Le parkmètre, oui, il y a de l'argent dans le parkmètre. Magnifique. Ah, et ma voiture qui a disparu. La voiture qui a disparu. Ah, quoi qu'elle est toujours là, non? Sure. But you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this asshole? Donc, ah mince. Ah non, 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 oh la grenade. Oh l'idiot. Ma voiture. Oh. Ma voiture, elle était là pour jouer avec tout le jeu et du coup, je l'ai comme un malpropre explosé avec une grenade. Pourquoi j'ai ramassé les grenades, moi, le live précédent? Je joue jamais à la grenade. Quel enfer, les grenades. Bon, va falloir donc parler à son agent, comme elle a dit, Candy. Ça ne la dérange pas de travailler pour nous, mais... Son agent, là. Ah, mais il a encore déposé des copains à lui, là, l'agent. Il a été... Il y a combien de bagnoles? Il y a combien de mecs dans sa voiture, là? Il en a déjà déposé 3, il vient d'en redéposer 3. 6 mecs dans sa voiture, plus lui, ça fait 7 pour le moment. Et c'est pas mal, hein. Plus 3 autres, ils étaient 10 au moins déjà. Ah, et ils essaient toujours de me tuer. 10 mecs dans sa voiture pour le moment. Ah, ils ont pété mes pneus. Enfin, un pneu en tout cas. Ils vont en reposer 3 nouveaux à tous les coups. Vas-y. Ah, mais non, il faut que je me mette à sa hauteur. C'est surtout ça le problème. Ils sont 13. Ils sont 13 maintenant dans sa voiture. Magnifique. Je me souvenais pas. Je ne le savais pas, ça. Ah non, mais tourne pas, par contre. Ma voiture est déjà ingérable comme ça. Si tu ne vas pas en ligne droite, ça va pas le faire. Ouais, non, par contre... À un moment donné que je change de voiture. Le temps de la course-poursuite, en tout cas. Et de 13, on va passer évidemment à mon avis 16 bientôt. À l'instant même. Et ils ont repété le pneu direct. Mais il sait pas conduire. Le mec il sait pas conduire. Voilà, arrête-toi, merci. Explose. Voilà, pour chercher Candy. Bon, maintenant faut retrouver une autre vraie voiture. La manana avec des roues pétées, ça va pas le faire. Et comme je le dis, il me faut une 4 places. La manana est une 2 places. On a du bol. On rencontre en plus de ça que des voitures 2 places. Il y a un parking juste ici. Enfin, de souvenir, il me faudra une 4ème place. Hein. Enfin, une 3ème, surtout la 4ème, on s'en fout. On va retourner au pire ce garage. Hein. On a une comète seulement dedans. On sent le chais, c'est pas pratique. Ah, la voiture de flic, à la limite. On peut passer. Ça se trouve, il me faut que 2 places. Ah, c'est bon. Ah, la voiture de flic, merci. Ça, c'est de la bonne bagnole. Oh, reste là. Ah oui, on a le mini-jeu du stand de tir. Est-ce qu'on a envie de revivre le stand de tir sur ce live? Enfin, aussi vite qu'après le précédent live, je ne suis pas sûr. Ce sera peut-être bien. Oh, ouais. Voilà, on récupère Candy. Ne l'écrasons pas, évidemment. Ne soyons pas fifous. Ne disparaît pas ma voiture. Come on, let's go.
que je dis des bêtises. Ah, effectivement, il faut aller chercher Mercedes. Donc j'avais bien raison de prendre une 4 portes. Parce qu'une 2 portes, malheureusement, ça pose problème. Hein. Il y a quelqu'un qui ne sait pas monter. Panneau là. Et du coup, Candysex qui se balade en maillot de bain de pièces. Couleur du drapeau américain, évidemment. Bien, bien patriotique comme elle est. Elle est où? Ah, mais à la pizzeria, c'est après que je pars là-bas, non? On va aller au stand au cinéma. À la pizzeria ou à hauteur de la pizzeria en tout cas. J'avais un lieu dans ma tête, mais c'était pour une autre mission. Tu restes dans la voiture? On est d'accord? Pas du tout. Pas grave. J'avais pas forcément besoin, hein. J'allais juste chercher Mercedes, c'est tout. Hey Tommy, you want a party? Not now, sweet. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. Voilà, on l'a engagé pour tourner dans nos films. Si évidemment, c'est bon marché et c'est sordide. Elles vont pas être bloquées, j'espère. Ça va. Et maintenant, elles montent toutes les deux derrière. Oh là là. Elles sont montées toutes les deux derrière. Que vont-elles faire pendant que je suis devant en train de conduire? Ça, je laisse libre cours à votre imagination. Mais nous sommes pas forcément sur un live Peggy 18, attention. Elles peuvent simplement parler. Ça casse un peu le mythe. Surtout quand on sait ce qu'elles vont faire derrière. Mais elles doivent apprendre à se connaître, hein, pour justement bien paraître à l'écran plus tard. Elle est trop dure, la Valkyrie du monde de feu. Oui, je vois le monde de feu. Ouais, la Valkyrie, je m'en souviens plus exactement. Mais c'était pas forcément la pire. Voilà, on a fini la mission, pas trop compliqué. Enfin, trop compliqué, non. C'est vrai que la course poursuite qui a été quand même laborieuse. Parce qu'ils ont pété mes pneus à chaque fois. Non, la Valkyrie qui était... À part la reine, la plus complexe, pour moi, ça a surtout été celle dans le labyrinthe, avec la brume. Le labyrinthe de brume, ça, c'était la Valkyrie la plus compliquée, parce que tu peux pas traîner, malheureusement. Le combat est quand même un peu chronométré. Après, si tu galères trop, tu peux... Du coup, évidemment, tu cherches le platine, t'es pas obligé de jouer dans une difficulté... tu peux jouer dans n'importe quelle difficulté, donc tu peux baisser la difficulté, c'est une possibilité. Hein. S'ils veulent tous m'appeler. Ah, Sony. Mais j'ai de l'argent, je peux te le donner. Hein. Voilà, le patron, hein, parce que je fais partie en principe des Forelli, de la famille des Forelli, en tout cas au début du jeu, il n'est point content parce que je n'ai toujours pas rendu son argent pour l'échange qu'on avait eu en début de jeu, la cinématique d'intro. Je ne lui ai pas rendu, évidemment, du coup, la drogue. Non, c'est lui, il avait la drogue au début, il me semble, oui, on cherchait l'argent, non? Je ne lui ai pas rendu la drogue qu'il possédait et je ne lui donne pas sa part dans mes nouveaux commerces. Il n'est pas très content, hein. Mais pas du tout content. Je crois que ça s'est plus ou moins entendu au son de sa voix. Il va falloir faire quelque chose. Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What I say about the giant shark? Toujours le géant requin. Le requin géant, en tout cas. Giant shark, all right?
Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys got to try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Et le prospectus, Candy, le bite. Du coup, c'est vrai, on voit le requin sur l'affiche, en arrière-plan. Mais s'il n'y a pas de requin, c'est un peu un prospectus qui... Il mentirait pas un petit peu, non? Donc, on va piloter un hydravion à l'arrière des studios qui servait pour la propagande à l'époque. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu menti. Quand je disais qu'il n'y avait pas d'avion, qu'on ne pilotait que des hélicoptères, il y a un hydravion. Le dodo que tout fan de GTA doit connaître. Bon, sauf que là, c'est un hydravion, hein, comme je le dis. Et qu'il est quand même un peu plus maniable que celui du 3. Hein. Beaucoup plus maniable. Le dodo de GTA 3, on ne peut pas voler avec. Et donc, ouais, après, il n'est pas non plus facile, évident. Les points, évidemment, indiquent la hauteur. Et le but va être de passer dans des endroits pour libérer les prospectus. Donc ça va être de passer d'un de ces deux points pour atteindre le suivant. Il y aura ces deux points là de souvenir. Il y aura... Ah, il y a encore. Il y a encore, il est où là? Ils sont où là? Il n'y a qu'un point là-haut. Ah non, il y a peut-être... Ah non, ça sera plutôt en longueur. Donc c'est plutôt celui du bas avec celui tout en haut qu'on voit ici. Celui-là avec potentiellement celui-là. Et puis les deux derniers. Ils sont... On démarre des bikers pour arriver au terrain de debout du Landstalker. Et du coup, je commence peut-être pas par le meilleur au final. Parce qu'on a une jauge de kérosène, donc l'essence de l'hydravion, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et là, je vais chercher le point de départ le plus loin. C'est pas la meilleure idée. C'est vraiment pas la meilleure des idées. J'aurais dû commencer par les points les plus hauts, faire le point intermédiaire et terminer par ce point-là. Et puis on va commencer maintenant que je suis ici. Alors il est où le point? En plus de ça, il est juste... Ah, j'ai vraiment... Ah non, il va partir de là. J'ai cru qu'il était après le bateau sur le coup. Et voilà, dès qu'on passe le premier point de passage, les prospectus, on est en train de les lâcher. Et donc on va en lâcher, comme je disais, jusqu'au moment où on traverse le point de passage suivant, qui est en rouge. Et voilà. Donc évidemment, le plus important, vu qu'on est un hydravion, c'est de ne pas se poser sur la route. Hein. On se pose dessus, c'est un peu foutu pour redémarrer, et on peut recommencer la mission. Sauf que celui-ci, de point de passage, se situe entre deux immeubles. Il peut être une source de problème pour les premières fois. Ah mais non, il y a quand même... Il y avait 8 points de passage, mais on en a vu que 6. On en a vu que 6, on est d'accord. Bon, ici aussi, ça va être entre deux immeubles de souvenirs. Ah, peut-être pas. Oh, non, ça va encore. Il y a de la large, il y a de la place, c'est sur le pont, à hauteur du pont, donc ça va. Mais il y a encore plein de prospects. Ah, mais non. Il y a 6, j'ai dit n'importe quoi. Les 6 points de passage, c'est des points de départ, en fait. Pas du tout de l'un à l'autre. C'est des points de départ. Là-bas, à hauteur de Little Cuba, hein, derrière l'imprimerie, ah, pour aller vers l'aéroport. Ouais, j'ai vraiment fait ça dans un ordre dégueulasse au final. Oula, l'arbre qui se pointe. Bon, heureusement, pas au dernier moment. Là, ouh, ça va. On a ricoché, on va dire. Petit hélico au passage.
Alors, où ils sont les deux... les points. Les taxis... On avait commencé les taxis, je ne suis pas sûr qu'on les ait... Je sais plus si on les avait finis au final. Si, je crois qu'on avait fini le taxi, de souvenir. Alors ici, à hauteur de la pizzeria. On va aller jusqu'au... On fait demi-tour, on fait demi-tour. On évite l'immeuble. Bon, en principe, c'est quand même mieux de mettre ça à hauteur de la route. Et pas derrière, et pas dans le jardin. Et maintenant, le dernier point, il était tout en haut. On n'a pas encore été le chercher. Au mini-jeu, comme je disais, de la Sanchez et du Landstalker. Faudra attaquer un jour ou l'autre aussi. Enfin, s'ils sont là, évidemment. Vu ta conduite en voiture, je crains pour l'avion. Bah, ça va. Il n'y a pas beaucoup de circulation, donc ça va encore. Il y a juste, malheureusement, quand on passe parfois entre deux immeubles, ça peut être problématique. Mais ceux qui ont joué à GTA 3, par contre, et ont tenté de piloter le dodo, savent que quel plaisir c'est. Là, par contre, il va y avoir l'accident. Hop, 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 et on redémarrera pas. Ouh, c'est bon, tranquille. Et on a bien posé l'hydravion. Regardez, ça peut être cool. T'arrives ici à cet hôtel et puis boum, tu vois un hydravion, tu fais. Enfin, si c'est un hôtel évidemment ou une maison, des appartements, tu fais c'est cool, je veux vivre ici. C'est de la belle décoration. Et tu demandes d'ailleurs, mais comment ont-ils fait venir cet hydravion ici? Mystère et boule de gomme. Le sauront-ils un jour? Rien n'est moins sûr. Belle histoire, l'avion grimpe au mur. Ah, il a tenté en tout cas, il n'a pas vraiment réussi. Il s'est pris pour Spider-Man à la fin. Il s'est dit, vas-y, je vais y arriver. Et c'est... Oh là. Merci. Hein. Les PNJ qui ont failli m'écraser. Il n'a pas réussi malheureusement. L'hydravion. Ça restera un hydravion. Ça volera, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon point. Allez, on sauvegarde. Un bout d'essai, cela fait. On a fait le dodo vibro. On aimerait bien vite fait voir si les. Non, pas une voiture de flic. Pendant la mauvaise direction. Encore une voiture de flic. Alors, non, pas de bol. Tant pis, on va te prendre. Si les deux, justement, les deux véhicules sont tout en haut. Pour faire le mini-jeu en question. Je ne sais pas s'il faut avancer normalement dans l'histoire, enfin pas forcément dans l'histoire, mais dans des missions pour les débloquer. Je ne sais pas si du coup ils se sont déjà débloqués. On va voir. On peut passer facilement par ici. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Poussez-vous. Un petit terrain de jeu. Ah, ils y sont. Enfin, en tout cas, le Landstalker. Deux mini-jeux. Deux tours à faire, le Landstalker. Et c'est tout. La Sanchez qui devrait se situer ici n'est pas là. On va déjà le faire. Alors, Landstalker. Donc voilà, on a un timer donc, qui est sympathique, qui fait passer le temps dans le bon sens. Donc on n'est pas pressé. Il faut prendre ce temps. Meilleure récompense offerte si je rebats mon temps la première fois, la fin de mon premier temps. Mais c'est pas. Il faut le faire qu'une fois. Donc c'est un parcours, deux tours à faire, et le but est de passer dans tous les points de passage en suivant le circuit. Sauf que le véhicule aura tendance à un peu à balouter très rapidement et à vouloir se retourner très rapidement, très facilement. Du coup, comme je le dis, oula, on peut déjà un peu le voir, il faut y aller tout simplement. On prend son temps, on n'est pas pressé. On fait un temps dégueulasse, on s'en fout. C'est pas le but. Le but, c'est de finir l'épreuve. Vous mettez 3 heures? C'est pas grave. Mettez 3 heures. Mais ne renversez pas la voiture, c'est le principal. Hop.
Et allez-y à coup par coup si vous le voulez aussi. Pour le moment, voilà, ça a l'air d'aller. Mais c'est vraiment, c'est peut-être plus la fin du circuit qui pourrait être traître. On voit ici, de toute façon, ces virages qui peuvent parfois l'être. Et c'est pas parce qu'on arrive, c'est bon, c'est le dernier point de passage, je fais n'importe quoi. Hein. On se concentre jusqu'au bout. Hein. Voilà, on arrive au premier tour. On attaque le deuxième. Le premier s'est bien passé, mais il faut toujours être attentif. Un accès de c'est quand même dans dans d'autres jeux, un excès de confiance va mener à la faute. Pas de grid, on y va lentement mais sûrement. Boum, 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 boum. Et là, c'est ici, ouais, ce passage. On a pu voir que la voiture, elle est restée un petit temps sur les deux roues là. Très certainement, elle se dit ouh. De quel côté je retombe sur mes quatre roues, je commence à faire la bascule pour aller sur le toit. J'ai réussi à lui donner l'impulsion qu'il fallait pour aller sur les roues. Mais pour le même prix, je me renversais. Hein. Ici aussi, doucement. Après, c'est vrai que là le temps est bon. S'il pleut, enfin la pluie c'est jamais bon de toute façon. Quoi qu'il peut-être pleut, peut-être pas ici. Enfin, quand on balance la mission, la pluie se désactive peut-être. Donc, si c'est, on a la pluie, ben, vous avez pas de bol. Hein. Du coup, 2 minutes 50, voilà, on a pris son temps, mais on l'a fait. Principal, et là Sanchez est à côté. Bon, on va commencer directement. Donc à faire. Même tarif, sauf que le tour est dans le sens inverse. Enfin, et qu'il y a le circuit plutôt pas le tour, et il y a toujours deux tours à faire. Donc un peu plus simple, d'une certaine manière, vu que si on tombe, en principe on peut... Je suis pas sûr en fait. Si on a le droit de sortir, enfin, il me semble qu'on peut tomber du véhicule, mais c'est pas sûr à 100%. Donc ne tentez pas pour la science. Et pour la science, on ne le fera pas, malheureusement pour elle. Enfin, en tout cas, pas volontairement. Hop. Ah, bah, y a de la vie aussi ici, on peut voir sur le terrain. Allez, le premier tour, on commence le deuxième. Évidemment, je les vois pas, mais la plupart du temps, enfin c'est vrai que je m'arrête pas forcément pour voir s'il y a des gens, mais il y a pas mal de fois où j'ai eu des individus qui me pourchassaient, alors que j'étais simplement ici en train de faire l'épreuve. Donc je me demande s'ils font pas partie de l'épreuve et leur but c'est de te faire tomber, à la limite de te tuer. Enfin, faut voir si on peut tomber, ben, le but c'est certainement de te tuer. Si on ne peut pas tomber, ben, leur but c'est malheureusement de te faire tomber. Sauf que là ils n'ont pas l'air d'être là. Bon, on fait gaffe à ce passage ici, c'est vraiment le plus compliqué au final. Ouais, je ne sais pas si c'est la version PS4 ou si ça a été changé depuis, mais je me faisais poursuivre par une bande de 3. Ah, ben les voilà. Bon, ils sont arrivés. Enfin, on les a vus à la toute fin. Ça a été très très bref dans le soleil levant, dans la gueule. Mais il y a eu des individus qui nous pourchassaient et qui veulent nous foutre la misère. Hein. Donc, c'est ça la difficulté de ce circuit en moto. Alors, on a fait quoi? La Sanchez et la Landstalker. Je coche et puis je vais aller sauvegarder surtout. Sinon, il faudra les refaire et on aura oublié, surtout qu'on les a pas fait. Bien que les statistiques me le diront si je les ai fait ou non.
l'impression que ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi. Regardons. On va retenter colère. C'est la mission, je sais pas pourquoi, c'est un peu celle qui me pose le plus de problèmes. Et je sais pas pourquoi. Une voiture. Du coup, je rappelle, colère, mission des bikers, on avait tenté plusieurs fois, il y a déjà quelques lives. J'ai plus l'habitude de la réussir avec le lance-flamme. Arrêtez de crier là, mademoiselle. Vous êtes encore là, madame. Mais va-t'en, madame. Tu peux partir, hein. Ouvrir la porte. Mais non, elle préfère rester avec moi. Elle me trouve beau. Malgré qu'elle a peur pour sa vie, elle me trouve irrésistible. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci, mademoiselle, madame. Je ne sais pas. C'est un petit peu énervant, par contre. Faut l'admettre. Dégage. Voilà, elle est pénible. N'oublie pas. Du coup, je trouve un peu galère. Il va falloir semer du grabuge en 2 minutes. Faut arrêter, madame. Faut sortir. Merci. Et la prochaine fois, quand je me suis arrêté 5 fois, tu peux sortir. Hein. Je sais pas pourquoi elle est restée enlevée par Pio. Il y a de quoi crier. Ben ouais, mais je me suis arrêté pour qu'elle s'en aille. Elle est pas descendue non plus. Donc voilà, ils veulent que je m'offusque, que je me braque contre la société, que je laisse exploser ma colère, comme je disais. Et je trouve que c'est plus facile avec le lance-flamme, en tout cas, que le lance-roquette. Après, c'est pas forcément la joie non plus. Peut-être plus quand ça explose et bah les véhicules, j'ai l'impression. Bouge. Non, je crois que le lance-flamme est beaucoup plus pratique pour les humains. Les véhicules, c'est peut-être mieux, quand même autre chose. Ça se remplit petit à petit, mais c'est quand même pas ça. Et au final, ça va être la vie qui va être le plus problématique, peut-être aussi. On y arrivera pas, hein. Pas faute d'essayer. Ah, vas-y, mais roulez-moi dessus, surtout. Vous arrêtez pas. Mais ouais, vous roulez-moi dessus, c'est bien ce que je disais. Et là, c'est la mort. Oh là là, on va rater de... Enfin, de peu, et encore, pas vraiment de peu. On avait sauvegardé, oui. Enfin, de peu, non, ça allait pas vraiment. Salut Ben Capone, comment vas-tu? J'ai retenté une ou deux fois la mission, je trouve, pour moi, la plus compliquée. Pas forcément la plus difficile, mais pour moi, si. J'ai jamais vraiment bien compris comment augmenter cette jauge de manière assez optimale. Comme je le disais, le lance-roquette malheureusement ne me fait pas de merveilles. Je pensais que ça allait me faire beaucoup plus de dégâts, mais non, c'était toujours au lance-flamme que j'ai augmenté cette barre le plus vite. Parce que quand elle veut pas monter, un peu comme pour le moment, ça monte pas super. Hein. Et si on réussit, c'est souvent certainement à la dernière seconde, ou presque. Ça m'étonnerait. Enfin, il y a peut-être une fois où j'ai réussi à la faire très vite, mais mystère et boule de gomme. Le mode légende, ouais, il est excellent le mode légende. Il me semble qu'il y a une mise à jour où il y a eu des nouveaux trophées, oui, avec la Director Cut. Il me semble avoir vu des nouveaux trophées pour ce mode légende. It's about being part of a family.
Mais pour ça, faut malheureusement. Enfin, faut de toute façon acheter le DLC. Si on veut le faire, et puis je sais pas ce qu'ils ont rajouté surtout. Bah, c'est vrai. Après, ça change pas mal, hein, le mode légende. C'est vrai que tu passes d'un jeu solo entièrement. Enfin, un jeu en principe de base entièrement solo. À du multi tout d'un coup. Je sais pas d'où ça sort. Est-ce que ça explose? Ouais, ça explose. Quand ça explose, ça monte aussi. Le flic. Plus long. Détruisons les véhicules. Ça rentre des points. Ça va être le sniper que je vais utiliser le plus ou quoi. Ah oui, arrête de bouger, tiens. Grenade. Oh, ça monte petit à petit. Une minute, on est déjà pas mal en une minute, je trouve. Pour réussir à cramer par contre le FBI. Faut pas qu'il me touche de trop. Non. Oh, l'hélico, par contre, faut vous faire gaffe. Voilà, on va être bien. Là, on peut être pas mal. C'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi. On l'a vite fait vu avant de mettre pause, mission accomplie, 2000$. J'ai surtout mis pause, j'espère ne pas avoir fait de bêtises et ne pas réactiver. Parce que quand on finit une mission, il n'y a plus d'étoiles. J'espère ne pas avoir fait de bêtises et ne pas m'être attiré d'étoiles juste à temps. Du coup, c'est 20 balles à payer. Ouais, j'ai le jeu de base, donc c'est 20 balles effectivement. Sinon, c'est leur acheter 60 boules. Pour... si on n'a pas encore le tout. Hein. Tout ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'est le DLC en plus et des habits pour le mode solo. Oui, il y a le mode solo, évidemment. Ah ben rien du tout. Je dis des bêtises. J'ai dit n'importe quoi. 43 de vie. C'est vrai. J'ai dit n'importe quoi. J'ai réactivé, mon avis. Ça m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai perdu toutes mes armes. Il va falloir, à mon avis, que je repasse à un petit moment donné à refarmer des munitions entre deux lives pour me refaire un stock. Parce que ça, comme j'avais fait entre deux lives déjà, je vais le refaire. Je sais pas ce qu'on va faire du coup, vu que je n'ai pas d'armes. Enfin, à part celle que je peux avoir facilement maintenant. Le lance-flamme, j'en ai plus besoin. Je l'avais fait juste pour ça. Je vais garder la mission vu que c'est quand même une purge. Je vais quand même partir là-dessus. Et au cas où, on peut sauvegarder sur un deuxième emplacement. Et pas de soucis là-dessus. Ça m'embête un petit peu. Mais le mode... ouais, c'est bon, c'est une bagnole. Non, c'est bon, tu m'arrêtes pas, monsieur. C'est pas la déchéance, pas une mort suivie d'une arrestation. S'il vous plaît. Non, j'ai déjà fait le mode légende à l'époque, quand il est sorti. Du coup, ben, j'ai mes 4 persos niveau 20 avec du stuff assez élevé. J'avais du bon équipement, pas forcément le meilleur ou pas forcément ce que j'aurais voulu non plus. Il y a des trucs que j'aurais préféré d'autres choses. Mais il y avait quand même pas mal de bonnes choses hein, quand tu arrives à avoir sur certains persos pas mal de soins. Par exemple la gourde, t'arrives à voir parfois l'ulti qui peut te soigner, ce genre de choses. C'est vrai que c'est assez agréable quand t'as des personnages haut level de jouer avec le mode survie. Du coup on a fait la mission, on a sauvegardé ou quoi? Oui, on avait sauvegardé sur un autre emplacement. Ouais, vas-y, on tente la dernière. Qu'on va faire
Mais c'est pas mal. Et par contre, ouais, les Reds, ils ont changé apparemment aussi, peut-être pas avec en patch, peut-être pas forcément avec le DLC, enfin, le Director Cut, mais tu peux maintenant faire les Reds avec des randoms, parce qu'avant, il fallait malheureusement deux amis, enfin, trois amis plutôt, pour faire les Reds, et si possible, être en vocal d'ailleurs, même avec eux, parce qu'ils étaient assez tendus, hein. Get my bike back. You can tell Paul he's got his security. Conseiller les raids souvent d'y aller quand avec un perso souvent bien meilleur, genre enfin il y en a qui l'ont fait avec un perso genre ils débutaient avec ce perso là. Du coup, ils avaient quand même du stuff grâce parce qu'ils avaient déjà monté un autre perso, donc c'était pas avec leur premier perso, mais c'est quand même plus idéal d'y aller avec un perso déjà bien élevé pour avoir toutes les compétences, mettre toutes les chances de ton côté. Mais du coup, oui, avant, il fallait malheureusement trois poteaux, ou trouver trois gens avec qui le faire. Pas forcément évident. C'est pour ça que c'est le DLC, il est bien, hein. Pas ça, mais ça m'a un peu embêté que tu démarres d'un jeu entièrement solo en jeu de base, et puis les DLC, ils sont full coopératif. Ils sont pas solo. Ça m'a un peu perturbé. Enfin, tu fais pas un jeu solo pour faire juste derrière un jeu qui ne l'est plus, quoi. C'est à un moment donné, tu choisis. Soit tu fais un jeu solo, soit tu fais un jeu avec de la co. Enfin, du multi, mais déjà de base. Bon, après, bah, j'ai trouvé une personne pour faire le jeu. En tout cas, comme tu avais fait hier, les survies. Non, pas les survies, le mode histoire de légende, là. Les 9 petites histoires avec quelqu'un. Il a juste fallu trouver 2 personnes, voire 3, si j'ai fait avec d'autres personnes, pour ces raids. Qui n'était vraiment pas évident, hein. On avait quelqu'un à l'époque qui l'avait déjà fait, du coup il a pu nous expliquer un petit peu ce qu'il fallait faire. En plus de ça, ils sont longs, ils le sont toujours certainement, ils étaient très longs. Enfin, pour une première, tu mets du temps, alors qu'une deuxième fois, la première fois, on avait mis quoi, plus d'une heure, une heure et demie, je pense, à faire un des raids. Alors que quand tu le connais, tu le fais quoi, en 20 minutes? Tu torches un truc de 2 heures en 20 minutes? Ça, tu fais d'accord. J'ai été repéré, donc voilà, on est monté sur le toit. Grâce à la rampe. Allez, on prend. Et le but, c'est d'aller récupérer une moto. Hein, si on n'a pas suivi la cinématique. On a volé la moto de Mitch. Enfin, Mitch, Mike, je sais plus exactement. Il est pas content. Il veut qu'on aille la récupérer. Merde, mince. Ah, par contre, vous donnez pas de munitions, les gens, c'est inadmissible. Merci. Heureusement qu'on a cette arme-là en gratos avec 20 paquets cachés. Elle fait le taf, hein. Le Magnum fait le taf. C'est pour ça que je joue principalement avec elle, même d'ailleurs. La mitraillette, c'est pour la voiture. Ah, putain. Mais non, sois pas idiot, s'il te plaît, là, Tommy. On a encore d'autres, hein, c'est pas grave. Ah bon. Pourquoi il s'accroupit? Pourquoi il a mis les genoux à terre? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu veux mourir? Survie, homme. Mais monte sur ta moto. Enfin, c'est pas la tienne, mais monte dessus quand même. Il m'énerve, là, Tommy. Il fait pas ce qu'il veut. Et donc, il faut sortir, malheureusement, il n'y a pas vraiment de sortie, à part là, une autre rampe. Hop, on freine. On fait gaffe aux burritos, là, enfin, aux petites camionnettes. Elles veulent nous péter la gueule, et évidemment, on va renverser et nous tuer. Ou non, le roquette, par contre, ça va pas le faire. J'ai plus que 2 munitions, malheureusement. Bah, va falloir reculer, hein. Attends. Hop, Mitch Connor. Non, c'est Big Mitch, un truc du genre. Mitch, ah non, mais pas la police, s'il te plaît, quoi. Sérieusement? Oh, mais quel enfer. Je suis pris entre la police et les méchants. Ça, c'est la main. C'est la mort. C'est foutu parce que trop de mecs. Oh, c'est foutu, c'est bon. On l'a dit, colère.
Je suis colère, je suis de grande colère là, mes parents, ils ont déconné sérieusement. Déjà la voiture qui m'a coincé au pire endroit, le pire endroit. Ils me coinçaient n'importe où, ça allait, mais non, il a fallu qu'ils me coincent là. Et mon héros qui n'a fait n'importe quoi en plus de ça la plupart du temps. Pas grave. Ouais, du coup, évidemment, tu commences en bronze, puis après tu vas partir en argent. Laisse-moi voler ta caisse. On va passer. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il peut pas faire pour voler une voiture? Ah, quoi que les raids, il n'y a pas de. Si, il y a une difficulté ou plus? Je ne sais plus. J'ai un doute. La survie, il y a de la difficulté. L'histoire des modes légendes, il y a de la difficulté. Les raids, j'ai un petit doute. À mon avis, oui, mais j'ai un petit doute. Hein, de toute façon, c'est quand même conseillé d'y aller avec un très bon stuff. Hein. Faut avoir fait minimum souvent l'or, au moins dans l'histoire, voir la survie pour avoir un stuff. On va dire aux alentours des 100, ça serait l'idéal. Même si je pense qu'il te conseille peut-être au minimum 80 peut-être, mais c'est quand même idéal d'être le plus stuffé, hein, parce qu'il y a vraiment des passages assez compliqués quand on sait pas ce qu'il faut faire, ou assez complexes, selon certains raids. Je me souviens à un moment donné d'un passage dans un raid, il y avait une mécanique où t'avais du genre 4... pas des totems, 4 endroits à prendre, mais dès que c'était un joueur qui devait, on va dire, entrer en harmonie, enfin façon de parler, avec le point d'intérêt, et quand le joueur entrait en harmonie avec ce point, en fait il ne pouvait jouer que plus que d'une façon, où on lui privait de quelque chose. Il y en a un, il devait jouer entièrement à l'arc, si donc évidemment il fallait y arriver. Ouais, vas-y, y a un flic qui passe à chaque fois à ce moment-là, mais t'es sérieux, le jeu. Y'a vraiment pas de bol. Il y en avait un, il avait plus droit aux roulades. Y avait quoi d'autre comme. Je crois qu'il y en avait un qui. Et il faut tuer des personnes, un nombre de personnes données. Il y en avait un, il me semble, qu'il avait droit. Ou qu'il n'avait plus droit aux objets du ninja, donc la poussière, la gourde, ou tout ce que vous avez. Mis dans votre arsenal. Bon, toi tu meurs déjà. C'est ma foi pas forcément évident, évidemment, avec plein d'Oni, Tengu, un peu tout le bestiaire à devoir combattre. Celle-là. C'est pas encore arrivé, lui. J'espère que ça va passer. Ah, ouch. Bon, on va bien faire, on accélère un petit peu mais pas trop. On repasse directement ici entre les deux. Alors, à côté de sa sauvegarde et on espère ne pas se refaire coincer au même endroit, voilà. Et le but évidemment c'est de retourner chez les bikers. J'ai l'impression plus ou moins aller se semer, en tout cas pour le moment, dans cette sensation, donc ça va. Hop, on y va doucement. Tranquille, sans souci. Ouais, c'est vrai que je roule à contresens du coup. Et voilà, on a fini les missions de biker, on a eu du mal sur colère, on a fini enfin. Du coup, il récupère ce monsieur le copain, le sous-fifre de notre biker, Tommy Deroux. Voilà, nous sommes Tommy Deroux. On a fini l'émission des bikers, ça fait plaisir.
on va pouvoir repartir sur l'émission de Love Feast. Ou on pourrait peut-être aller plus tard. Ah, il y a pas là, elle est pas là l'arme, dommage. Et avancer peut-être mission le cinéma. Hein. On avait commencé le cinéma, surtout c'était ça qui nous intéressait peut-être. Vous montrer une technique pour la mission suivante, si je me trompe pas. On aura une mission qui peut être complexe si vous la faites un peu de la manière qu'attend le jeu. Alors qu'il y a, enfin, il y a un peu un moyen assez simple de faire cette mission. Hop. Elle a disparu, mais ma moto, j'avais une moto. Hein. J'avais une Sancha, je ne l'ai pas utilisée. Donc c'était Mitch. Good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Donc voilà, il l'a dit, il va assurer la sécurité. Non. Il va assurer la sécurité au concert des Love Feast. C'est pour ça qu'on a fait partie, qu'on a fait l'émission, qu'on est rentré dans la famille. J'espère que tu vas pas disparaître par contre. Je vais avoir besoin de toi. Ce qu'il vous faut pour la mission suivante du cinéma, c'est un hélico. Rien de plus. Enfin, à peu près rien de plus. Ah mais j'ai récupéré pas mal de munitions au final de mitraillettes. Ça c'est bien. J'en avais plus du tout et je suis remonté à 760. Ça c'est bien. C'est cool. Ah ouais, ça serait bien de finir le cinéma. Si on continue là-dessus, on peut réussir à terminer aussi les sauts uniques. Comme je l'ai dit, les trois derniers sauts uniques qui me manquent sont avec le cinéma. J'espère qu'il va pas disparaître, vraiment. Tout repose sur mon hélicoptère. Martha, un nom assez couru. Beaucoup de héros ont une mère qui s'appelle Martha, hein, selon certains films. After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then we un cube de purée de patates, c'est ça? C'est quoi? Ouais. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's Alex going Shrub. After the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment. Il n'est pas vraiment porté sur le cinéma olé olé, en tout cas pour la campagne. Okay. Candy, you know Shrub. Do you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Oh yeah. All right then. Oh yeah. Okay. All right. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Oh. Yeah. Oh. 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 Got that. Was that part of the or was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Est-ce qu'elle lui répondait ou est-ce que c'était son jeu d'acteur, enfin d'actrice en l'occurrence? Bonne question. Mon hélico est toujours là, merci. Ah mais tu me proposais déjà un hélico, c'est vrai, j'en avais pas besoin d'un. Le jeu il était sympathique. Oui, elle était bien occupée, hein, la mademoiselle. Du coup on ne sait pas vraiment si elle connaît Alex et si ils font des trucs un peu sordides ou je ne sais tout quoi ensemble. Donc voilà, le jeu. Donc il faut suivre donc Candy qui va monter à bord d'une limousine qui l'attend. On peut voir à l'entrée. C'est vrai qu'on a un hélico. J'avais basé tout sur mon hélico. Alors qu'on en a un, qu'on a déjà piloté, hein, le Sparrow, qui est la réplique du 6 Sparrow, sauf que lui ne se pose pas sur la mer et n'a pas du coup la mitraillette en prime. Alors, il me semble. On suit pour le moment. Première phase, la limousine. Rien de trop compliqué. Il n'y a même pas l'air d'avoir de jauge de distance.
Bon, c'est pas pour autant qu'on va la coller, mais faut pas la perdre. C'est comme dans tout bon jeu, en tout cas dans tout bon GTA, on va faire des tours et des ratatours pour aller à 3 mètres du studio de cinéma, comme d'hab, souvent. Ça va commencer à tourner en rond pour essayer de nous perdre ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi. Ah mais vas-y. Ben non, il tourne à gauche finalement. Il tourne à droite. Il tourne autour de ma maison, hein, ma belle baraque avec un fusil d'assaut à l'arrière. On n'oublie pas sur le toit, sur un toit. Visée manuelle. 30 balles de chargeur, non je ne suis pas sûr, ça, je ne suis pas sûr du nombre de chargeurs, de munitions dans ce chargeur en tout cas. Ah non, il n'a pas l'air de faire des tours et des ratatours, il a l'air d'y aller plus ou moins directement. Pas trop mal, oh, il n'y a pas l'arbre. Un petit peu ralenti, il faut faire gaffe. Un peu idiot, il sait pas conduire. Du coup voilà, on est arrivé. Elle va rejoindre Monsieur Shrub, donc le représentant du Congrès, qui se relaxe, je ne sais pas, prélasse dans une piscine en tout cas, en haut de cet immeuble. Je ne sais pas si c'est sa piscine, s'il l'a réservée. Oh Alex, I mean Martha, whatever you say. Il y a, du coup, voilà, il y a deux méthodes maintenant. On doit prendre des photos. Le but, c'est de se poser pour la méthode la plus facile. On continue en hélico. Ah ouais. On peut voir d'ailleurs le point est en hauteur. On va tenter de survivre en hélico. Est-ce qu'il passe ? Est-ce qu'il passe ici ? Il passe pas du tout. Il est passé. En principe, le but, si on veut faire comme la mission le veut, c'est de descendre. J'aimerais bien vous montrer. Prendre le petit escalier juste sur ma gauche, suivre le couloir. On peut voir qu'il y a une porte blanche là au niveau des hélices sur la gauche. C'est donc de monter dedans, de monter tous les étages, d'aller à l'endroit, à une fenêtre certainement, je ne sais tout quoi, de prendre les photos. Et bon, là, la première partie, ça va. C'est surtout la descente où il y aura malheureusement de nombreux flics. C'est galère, c'est compliqué, c'est la loose. Il y a moyen de mourir 300 milliards de fois à chaque étage. Alors que tu viens en hélico, tu te poses ici, tranquillement. Prends ton appareil photo. Tu vises avec R1, tu zoomes avec carré. Tu les vois. Magnifique. Tu prends les photos, donc comme pour tirer. Oh, peut-être, ils ont peut-être un peu bougé, non? Je ne sais pas. Ah, il est magnifique. Hein. Des talons aiguilles. Le petit Forge Artel. Ah, elle m'a dénoncé. Elle m'a dénoncé. On prend des photos. Et donc voilà, on a pris des photos. C'est bon. On a 5 étoiles. 5 étoiles, c'est le FBI hein, et autres. La CIA, je ne sais pas tout quoi. Les grosses. Alors que du coup, comme je vous dis, vous reprenez votre hélico. Et puis ben, vous volez jusqu'au studio de cinéma et c'est gagné. Hein. Alors que si vous étiez rentré à l'hôtel, faudrait redescendre, faudrait retrouver un véhicule s'il n'a pas disparu. Et puis il faut arriver soit à un PN spray, soit réussir à récupérer des étoiles. En tout cas, échapper au FBI. C'est pas évident. Hein. 5 étoiles, c'est vraiment compliqué. Hein. Alors qu'ici, hélicoptère, tranquille, pas de soucis. Il bloque la porte, ouh ouais, il sauf la fin là, il était un petit peu la fin qui était waouh, qui était un peu chaude hein, je m'y attendais pas. Comment ils ont descendu mon hélico. Mais bon voilà, c'est quand même la méthode la plus simple. Malgré tout. C'est celle que je peux vous conseiller. Retourner à l'immeuble, prendre des munitions et sauvegarder, récupérer aussi du bouclier, de l'armure. J'en ai un peu perdu la moitié. Le Iman Kondo,
Et on va aller attaquer la dernière mission du cinéma, juste après. Non, ici. Je suis pas sûr que je redécolle avec. Pas sûr. Hop. Je ne décollerai pas. Pas grave. Pas grave. T'as quoi? Vas-y. Tu as une façon de poser tes appareils de manière très personnelle. Ah, mais c'est ma façon. Et je trouvais que c'était une descente beaucoup plus rapide. C'était encore pour optimiser le temps et pour pouvoir finir peut-être le live dans les temps, faire le plus de choses possible. Je me suis dit que si je fais enflammer mon hélico, je vais devoir sauter et on va gagner du temps. Je n'ouvre même pas mon parachute, ça aurait été une perte de temps encore plus. Si je l'avais posé de manière normale, je me suis dit vas-y, descends vite fait et puis fais un plongeon magnifique. Studio de cinéma, dernière mission, quatrième. Il sera rentable après. Mais bon, maintenant, faut d'abord faire d'autres choses. On a fait un peu de promo, non, encore une fois non. On a tourné des scènes, on a trouvé des actrices. On n'a pas forcément trouvé les acteurs, mais c'est pas grave. On a fait quoi? On a trouvé des flyers pour faire un peu la promotion du film en avant-première, enfin un petit peu. On a pris des photos parce qu'on avait des soucis un peu juridiques, un petit peu légal, des problèmes légaux. Et maintenant, Projecteur G. It's the world premiere. Ou l'avant-première, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas avaler? How can you not feel the part? But Stevie. How's my star director? Oh man, the struggle between the artistic integrity and the humping, pumping action continues unabated. Heureusement, elle est un petit peu habillée. Ask, yes, all four videos will be released by their honey. Can you please keep the Andacon and the shoddy cost more per hour than you do? Oh, sorry, Steve. Qu'est-ce qu'ils font en route avec un anaconda? Something that will make a real impact on this. À moins que ça soit une image. Well, in the old days they used to have gala events, stars, limos, the night sky crisscross with searchlights. I got an idea. Yeah. Well, little sequin numbers and the limos. Premieres. Oh yes, ma'am. Of course, ma'am. And the press and the barrage of lights. Le bruitage du candy. Toujours agréable à l'oreille. Du coup, voilà. Alors, va dans le centre et ajuste le projecteur sur le toit. Il y a une moto. Pas mal, heureusement qu'il y en a une. On va en avoir besoin de toute façon. Et on va surtout... Longue mission, par contre, qui nous attend un petit peu. C'est complexe parce que on va faire de marrant réalisateur te ressemble. Comment ça? Mais comment ça? Mais non, mais quoi que si, un petit peu. Je me serais trompé de. Tu penses de voix? J'aurais dû partir dans le cinéma. C'est ce que tu penses? Ah, j'aurais peut-être pu partir dans le cinéma. On va savoir. C'était peut-être là qui était ma vocation. Va savoir. Un peu de tristesse. Et j'aurais pu être reconnu dans le monde, ou en tout cas dans un certain milieu. Faudra voir. Ouais, c'est pas encore perdu, hein. Je peux encore me changer de carrière. Alors, on prend du coup l'ascenseur. Après, est-ce qu'il me ressemble forcément qu'à moi, ou peut-être un peu à n'importe quel barbu? C'est moi aussi. Il y a peut-être un petit délit de faciès, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu puritain là-dessus. Attention, tu me choques. Et donc voilà, on est monté avec notre moto, notre agréable PCG 600. On va un peu parcourir les bureaux. Et donc voilà, on commence le premier saut. On a jusqu'à 7h demain matin. Pour aligner tous les sauts et arriver à la fin du parcours. 18h, donc on a 7, on a quand même 11h pour réussir.
premier saut, c'est un saut unique. Et donc le but, ça va être d'atterrir évidemment dans la zone plus ou moins du... la zone rose. Premier saut unique, c'est fait. Ouais, après, il faut faire gaffe. On va peut-être pas dû le cocher de suite. Le premier, il faut un peu aller sur le côté. On fait gaffe évidemment de ne pas se prendre un bord et de passer par-dessus. Donc on va enchaîner une série de sauts de toit en toit. Oh, bon, que faire? J'ai mal à mon pied là, je me suis foulé un peu la jambe. J'ai tombé. À pied ou en moto, ce n'est pas foutu pour autant. Hein. Si on tombe, faut juste arriver à retrouver la route. Et ben, tout simplement retourner au point de départ. Et par contre, là, c'est un peu foutu. Enfin, on a perdu du temps, malheureusement. Il va falloir refaire tout ce qui a déjà été fait. Donc, j'aurais dû vraiment attendre avant de les cocher. Et les cocher seulement à partir du moment où on valide la mission. Donc le but, c'est quand même d'essayer, bah, évidemment, de ne pas tomber. Je vous dis, il y a énormément de sauts à faire. Et que la moto n'est pas indestructible, hein, comme d'hab, comme évidemment vous en doutez. Et que elle va prendre cher. Hein. Les sauts qu'on va faire, elle prendra cher. Même si on fait que des beaux sauts, elle va prendre. Hein. La moto, les atterrissages, là, comme ça, les suspensions, je ne sais tout quoi, les amortisseurs. J'ai l'impression que quelqu'un vient de péter dans l'ascenseur, c'est dégueulasse. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit bruit là, non? Un petit bruit de... Ce serait une mauvaise blague. Non, c'est la moto, à mon avis, elle a fait un petit... Et ils ont surtout eu le temps de réinstaller la vitre et le monsieur. Ils l'ont remis au même endroit. Et c'est pas mal, hein. La vitre, elle a été détruite, quoi, il y a une heure et demie. Déjà, renouveau, elle est renouveau, là. Hop. Elle fume déjà un peu blanche, hein, la moto. On va y aller petit à petit. Hein. On est sur l'hôpital ici, il me semble. Oui, c'est l'hôpital. On fait le tour. Bon, par contre, si on tombe et que la moto ne tombe pas, c'est un... là par contre c'est plus la loose. Faut arriver à en retrouver une, c'est pas forcément gagné. Faut mieux recharger et recommencer. Faut arriver... Ici c'est un saut unique celui-là. Et... on... la moto elle fait quoi? La moto elle a fait quoi? Elle est toujours là. Elle est toujours là, ça va. On a fait du coup le deuxième saut unique. Mais je vais pas le valider tout de suite. Et le dernier, il me semble que le dernier saut unique, c'est le dernier saut. Donc l'Iman Condo, hein, mon immeuble qui est juste à côté. Hein. C'est l'immeuble qui est maintenant sur ma droite, sur ma gauche. C'est mon immeuble. Oula, vous voyez, la moto fume noire. Hein. Alors qu'on a, enfin, c'est vrai qu'on s'est pris deux bons chocs. Ça pue. C'est pas cool. Hop, on va sur le toit suivant. Oula. Ils ont été sympathiques. Ils nous ont enfin mis un petit point de passage. Et en plus de ça, c'est vrai qu'avec les chutes qu'on fait, on perd aussi de la vie. Donc voilà, au cas où on tombe, à partir d'ici on pourra recommencer ici, hein, donc au terrain de Lance Solker et de la Sanchez. On peut recommencer ici, par contre faut une moto. Hein. Et le jeu n'en propose peut-être pas forcément sur la route. Il y a toujours la Sanchez si elle est bien là. Qui peut être un conseil. Ou alors ils ont peut-être sympathiquement mis une moto quelque part. C'était évident. Est-ce qu'on peut prendre la Sanchez? Oui, pas de soucis.
souvent je commence... Ah, allez, la Sanchez qui tourne en rond, là. Qui veut pas avancer, qui veut pas faire les 3 mètres. Sérieusement. Sérieusement. Et du coup, ce point de passage restera ouvert au cas où on n'a pas réussi le saut unique après la pendant la mission. Hein. Donc on pourra refaire tous les sauts pour arriver au final. En tout cas, celui qui nous intéresse. Ah, ma moto, la moto, elle est là, elle est toute noire. Magnifique, elle a explosé, mais elle est toujours debout. On est bientôt à la fin. Hein. On a pu voir le projecteur vite fait, donc ça va, c'était pas forcément trop dur, mais c'est vrai que les premières fois, c'est pas forcément évident. Hein. Enfin, c'est vrai que j'étais aussi assez jeune à l'époque, c'est aussi pour ça que je galérais pas mal. Et donc le dernier saut, qui est un saut unique, et on devrait avoir un trophée. Non, il n'y a pas de trophée pour les sauts uniques, mais on les a tout accomplis. Ah, s'il y a un trophée pour les sauts uniques, le voilà, Daredevil. Et on a du coup libéré le dernier point de passage, qui est sur la toute fin, merci le jeu. On en aurait voulu un autre avant peut-être. Et du coup, le projecteur, regardons l'immeuble. L'immeuble, il n'y a rien. On peut voir bon, quelques lumières allumées, ça et là. Mirez surtout l'image finale. C'est ça le plus important. Et du coup, on a validé les sauts uniques. Hop, hop, on a fait les rodéos, et on a fait pas mal de trucs, hein. On avance. Plus que terminer des missions. Voilà l'image, magnifique, Peggy 18. Attention, on y est enfin, au Peggy 18. C'était deux belles paires de loloches. Et le studio de cinéma qui rapporte enfin de l'argent. 7000 quand même. 7000 dollars. Rapporte-nous de l'argent, hein. C'est bon. Il reste quoi? Il nous reste une course, il nous reste l'amunition, le taxi, des missions, les braquages. Alors, on avance bien, hein. On avance bien. On peut voir un peu les statistiques. On est à 88%, hein. Plus que 12%, mais il y a du 12 long pourcent quand même. Je sais pas si vraiment les taxis, je sais pas si. Je sais pas si ça intéresse des gens en fait. Que 100 courses de taxi à faire, juste livrer les clients, enfin aller d'un point A au point B, reprendre un autre client et ainsi de suite, 100 fois. Pas sûr. On a la Love Fist. Ouais, on peut tenter la mission Love Fist. Ah, mais je crois que j'avais fait que la première, oui. J'ai encore deux missions Love Fist. Oh, mais faut arrêter de me téléphoner, les gens. Paolo here, to press Romeo. What do you want, Paul? Ah. I don't want any fake Ken's label Paul. Clothes. Very funny, mate, but you know I don't touch bank gear. No, I was just calling to see if I can get a part in one of your movies. Il veut un rôle dans un de mes films. Et il en a fait pas mal en Angleterre, apparemment. Thanks for the offer. I'll bear that in mind. Seriously, don't forget about me. After all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. Merci de me dire que tu en as fait maintenant en Angleterre et que tu en as dans le pantalon. Ce qui a été imaginé ne peut plus être désimaginé, malheureusement. Merci, Kent, de l'information. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Le genre d'information que tu pouvais garder pour toi-même. Alors, les Love Fist. On a fini les bikers. Du coup, on peut attaquer la dernière mission, c'est un prérequis pour la dernière mission des Love Fist. Hein. Faut terminer les bikers. On l'a fait, mais je crois qu'on n'en a même pas fait la deuxième. On avait fait que la première. Il fallait. On leur a ramené Mercedes pour qu'ils fassent sa connaissance, tout simplement. Besoin d'un gilet pare-balles. Hop, ça je prends. Non, je redescends, je sauvegarde.
Donc tout ça, les Lofis et autres, c'est des quêtes annexes. Mais il faut le faire de toute façon pour le 100%. Et du coup, pour le platine. Lequel, le psychopathe, effectivement, c'est là. Ouais, c'est la deuxième mission. Hein. Tommy, man, am I glad to see you? What's going on? Bad vibes, Fuck. Tommy. Aye, I'm not joking again. It's heavy stuff, man. Heavy, gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat, knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes you. Shut up, you that? Fool. Just because Jez bomb sheep. It's a love rocket thing, can? Oui. Shut yeah, up. Yeah, a love rocket thing, right? I don't understand absolutely anything he's talking about. The guy, what's Love Fist dead? Dead, Tommy. Love Fist, gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save Lovefish. We've got a signing in 2 hours. Ouais, y'a un psychopathe qui veut la mort des Lovefish. Ils ont un peu les pétoches, va falloir s'occuper de ça pour... espérer qu'ils survivent et qu'ils passent, qu'ils n'atterrissent pas dans le club des 27, par exemple. La limousine. Conduit la limousine à la séance d'autographe et essaie de démasquer le psychopathe. Vous allez voir, il va être très difficile. Et après ce jeu, tu feras quel autre jeu le jeudi? J'avais parlé de Lego Marvel Super Heroes 2. Et on avait parlé aussi potentiellement de San Andreas. Du coup, je ne sais pas si je cumule, enfin j'alterne San Andreas et Lego, parce que c'est vrai que ça peut être un peu chiant de voir un jeu toutes les le même jeu peut-être un peu toutes les semaines sur plusieurs semaines d'affilée, du coup alterner ça peut être pas mal. Bon bah comme je vous le disais, le psychopathe il était pas très compliqué à trouver hein. Donc voilà, je me dis peut-être alterner, faire peut-être un peu comme fait Théo, 2 semaines de l'un, puis les deux semaines suivantes je fais le deuxième jeu et ainsi de suite, j'alternerai sur les deux. Que ça partirait évidemment aussi le jeu sur du long terme. Enfin, à mon avis, je sais pas ce que vous en pensez vous aussi, hein, si ça vous dérange pas de voir le même jeu un peu toutes les semaines. Enfin, il roule pas très bien, moi pas forcément mieux non plus. Bon, voilà encore pourquoi on a toujours besoin de munitions. Ah c'est bien là, si c'est quoi ah, par contre le flic, non merci. Laisse-moi tranquille, il y en a qui bossent. Moi aussi mais bon. Voilà, il va essayer de me tirer dessus. C'est bon. Heureusement qu'il est mort juste à temps. Le flic m'a embêté un petit peu. La mitraillette, je prends. Merci. Voilà, on a tué le psychopathe, du coup c'était bien la deuxième, Sanxi, et on va sauvegarder avant d'attaquer la troisième. On ne sait jamais, je voudrais pas remourir comme d'hab. Et reperdre toutes mes munitions. Ah mais vas-y, la Love Fist, on va la mettre... dans un garage. La limousine. Limousine du pauvre. Mais bon, on n'en trouve pas d'autres. Et je vais même pas chercher l'argent de mes commerces, hein, j'en ai plus besoin. On a besoin d'argent ici, surtout que pour acheter les commerces, hein, c'est ça qui coûte le plus. Dès que tu les as tous achetés, ben, à la limite c'est les PN spray, des munitions et des armes au magasin, si t'en as besoin. Bon, je joue sans, enfin, pendant tout le moment, en tout cas le moment pour le PN spray aussi. Alors le psychopathe, il est revenu d'entre les morts apparemment. On l'a quand même vu exploser, enfin mort avec l'explosion du véhicule. Mais il est toujours en place. Encore. Du coup, va falloir les amener à leur salle de concert. Ils ont... C'est ça le souci. Ils ont peur. C'est le concert qui est, vous allez voir, ma foi, très très loin. La Love Fist.
beat up enormous men, break legs. At last, man. Time for a well-earned drink. La salle est juste à quelques mètres d'ici, ils ont tout dit. Hey Tommy, change the tunes, man. Mais vraiment quelques mètres, hein. Oh, look, what's this? Hey Tommy, hey, une cassette. Alors, t'as platiné San Andreas hier soir, mais félicitations à toi, et la semaine prochaine, tu vas te remettre sérieusement à Watch Dogs Legion, l'histoire de Watch Dogs Legion, en suivant les Légions des Morts et le online, je suis bloqué pour une certaine raison. Ah, peut-être parce que tu n'as pas avancé assez dans l'histoire, ça serait pas déconnant. J'ai pas accéléré assez tôt. Je pensais que j'avais le temps tant que j'avais pas démarré, mais non. Du coup, vous avez peut-être un peu saisi le principe. La jauge de détonation a un rapport avec ma vitesse. On fait un petit peu un remake de Speed avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Du coup, le but évidemment, ça va être de rouler, enfin en tout cas d'avoir une certaine vitesse. Et de potentiellement pas forcément rouler trop vite, mais évidemment pas trop lentement sous peine d'exploser, hein, comme dans le film. Alors ces deux dernières semaines, tu n'as pas vraiment joué à la console. Non, bah après si t'as pas eu le temps, mais félicitations en tout cas pour San Andreas. Et du coup, bon courage pour Watch Dogs. Moi ici, bah, comme j'ai déjà un peu dit, j'ai pris l'offre du PS Now à 1€. Du coup, j'en profite pour faire des jeux du PS Now. Donc j'ai mis de côté mon Watch Dogs numéro 1. Que je reprendrai dès que j'aurai fini tous les jeux que je voudrais ou que je pourrais faire dans le temps qui m'est imparti. Parce qu'évidemment, s'il me reste 2 jours, je vais pas forcément commencer le jeu sur le Neo. Je suis pas sûr qu'en 2 jours j'arrive à platiner un jeu. Donc voilà, il faut accélérer. Et donc, on a vu le point de départ, la salle de concert était juste à côté, hein, vraiment. On a vraiment fait 3 mètres. On a vraiment fait 3 mètres. On était plus ou moins à l'entrée de où la route est en hantée, enfin sur le côté. Donc on a vraiment fait 50 mètres en voiture. Ils n'ont pas fait 50 mètres à pied pour faire une séquence à la speed. Tout ça pour ça. Si tu préfères Sandra Bullock que l'office, pareil. Je préfère Sandra Bullock, qui est de retour elle aussi dans le Speed 2. Si je dis pas de bêtises, oui. Mais l'acteur a changé, hein. Ce n'était plus Keanu Reeves dans le 2. Et ça ne se passait plus dans une voiture, enfin dans un bus. Donc voilà, quand on reprend la vitesse, la détonation diminue. Et je vous conseille du coup pour cette mission, c'est de rester sur le long de la mer. Le long de la mer, oui. Donc sur cette longue route, vous descendez, en bas vous faites le tour du port ou à un endroit, et puis vous remontez, et ainsi de suite. Enfin, de toute façon, on fera une descente, on remontera et puis ils auront réussi à désamorcer la bombe parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. À Watch Dogs Legion Online, je ne trouve pas des joueurs qui restent stables pour des missions car on ne peut pas les faire seuls. Ça c'est problématique, malheureusement. Et soit les mecs qui n'ont pas la bonne connexion ou les mecs qui abandonnent, qui rage-quittent ou je ne sais tout quoi, c'est vrai que c'est chiant. C'est relou, le online, le multi. Faut voir si ça intéresse les gens aussi, s'il y a pas mal de monde quand même. Contrairement à ce que je pensais, le Watch Dogs 1, il y a encore du monde dessus. Ça parle très fort, non, c'est vrai que quand il parle en plus... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il parle très fort. Ouh, accélère. Du coup, c'est vrai que... j'ai pas mal de du coup, j'ai l'impression. C'est pas forcément évident sur cette mission de se concentrer sur ce qu'il raconte. Quand on conduit, on fait quand même attention à la route, hein, à cause de bizarrement la détonation qui pourrait survenir. Donc soit on fait le tour au bout, ou alors ici on a quand même pas mal de place pour tourner. Accélérons un petit peu ici parce que j'ai donné un coup de frein pour bien tourner. Et voilà. Et donc en remontant, ils vont la désamorcer. Faut faire gaffe évidemment de ne pas faire d'accident aussi. Ça, parce qu'on voit des bombes désamorcées, on peut les amener à la salle de concert.
Les gens changent de jeu presque tous les... C'est deux jours, hein. Presque tous les jours, effectivement. Bah oui. Puis, en tant que nous, chasseurs de trophées, c'est vrai qu'on reste sur un jeu où souvent, la plupart du temps, juste le temps des trophées. Et dès qu'on a ce qu'on veut, bah, on n'y retourne plus jamais, ou presque. Sauf si le jeu nous a vraiment bien plu, on continue parfois. Ou encore, bah, par-delà les trophées. Mais peut-être pas forcément dans le multijoueur. Hein. Donc c'est vrai que pour, bah, soit quand tu les chasses les trophées, bien évidemment, si t'as plus personne c'est compliqué. Ou si t'aimes, toi t'aimes le jeu, si t'as personne en face c'est vraiment compliqué. Mais c'est pour ça ouais, que je suis en plus de ça vraiment pas fan des jeux de multi. Hein. Tout plein de trucs qui ne sont pas que sur toi. Enfin, qui ne... Tu joues à un jeu vidéo, à un jeu multi, 2-3 ans plus tard, t'es pas sûr de trouver des personnes. Hein. Bon là le Légion n'a que quoi, un an grand max peut-être. Je suis pas exactement sûr quand est-ce qu'il est sorti. Du coup s'il est déjà presque, enfin pas forcément déserté mais si t'as déjà du mal. Alors qu'il est sorti, bah si il y a un an hein, presque. Un peu moche. Alors que le premier d'ailleurs. Il y a encore assez de monde. Il est sorti, je disais quand en 2014. 2013. Ah non, déroulement du jeu 2013. Ouais, alors c'est quoi? Ah, mais il y a plusieurs parties. Ah non, 14, 2014. Il me semble, ouais. Ouais, octobre 2021, non 2020, octobre 2021, c'est pas encore arrivé. Et on a eu un petit trophée pour avoir terminé la mission des, ou les missions des Love Fist, en tout cas celle-ci. Ce qui met un terme aux missions des Love Fist. On m'appelle toujours, toujours le téléphone qui sonne. Baker, donc c'est le biker, Mitch Baker. Voilà, il voulait nous dire merci, c'était un bon concert certainement. Si on a écouté la cinématique, les Love Fist, ils sont un peu pété la voix, du coup ils ont... Ah non, c'est pas ça, ils ont plutôt la cassette de l'enregistrement du live, c'est-à-dire le playback, en fait elle est bousillée la cassette du playback. S'ils n'ont pas pu en avoir d'autres ou faire une copie, je ne sais tout quoi, la sauver, bah, ils ont dû chanter en live lors de leur concert, mais c'est horrible. Les chanteurs qui chantent en live maintenant, est-ce vraiment dans quel monde vit-on? Le playback est mort, c'est triste. Hop, on est pas mal en fait, on va s'arrêter ici il me semble. Est-ce qu'on a, on a les deux missions de fil qui sont apparues. L'imprimerie, on l'a pas encore fait. On n'a toujours pas terminé les Cubains et les Haïtiens, mais c'est normal, c'est pour qu'on me pour avoir la paix pour le moment. Il nous reste une course de la concession auto à faire. Et après, on va avancer, il y aura un retourné au manoir pour certainement lancer la fin du jeu, hein, la dernière mission. Il y aurait peut-être moyen de terminer la semaine prochaine. Je veux vérifier si on a fait quoi que les missions... missions d'imprimerie, elles sont pas forcément évidentes. On peut aller sauvegarder à côté d'ailleurs. Elles sont pas évidentes, c'est quand même, elles sont assez compliquées. Il y en a deux, il y a trois missions peut-être. Elles sont pas forcément évidentes. Faut de la vie, faut des armes. C'est pas mal d'avoir tout ça. Enfin, pour la dernière mission du jeu aussi, de toute façon. Il va falloir faire son stock de munitions. Mais je vais vite voir d'abord si j'ai fini le taxi. Je ne suis plus sûr. S'il m'en reste peut-être encore une. Me semble avoir fait la dernière. Doute. Tu voulais dire oui 2020, ouais je me doute, hein, t'inquiète pas de soucis.
Le problème, c'est que le jeu a été jugé trop vite, sans laisser le temps à Ubisoft de terminer à développer le jeu. Et bah oui, et bah après, ça ne porte pas d'argent, j'ai l'impression. Ça, c'est aussi le fait de lancer le multi et le... Ah si, un pour de l'argent, on l'a fait. Le multi et le solo indépendamment l'un de l'autre. Enfin, c'est une bonne chose pour se concentrer bien l'un puis sur l'autre. Au cas où il y a un bug, bah, savoir si c'est le multi ou l'online qui pose problème. Malheureusement, sur ce genre de jeu, c'est vrai que bah, dès que tu as fait le tour du jeu, bah, tu peux très vite passer à autre chose. Hein. Et du coup, vu que le multi, il est sorti quand? Le multi, il est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble, hein, de ce que tu disais. Il y a peut-être un ou deux mois, grand max. Bah, tu attestes quand même, allez, 9 mois plus ou moins, on pourrait dire, de solo. Donc ouais, les gens sont passés à d'autres jeux hein, depuis. Il y a eu d'autres jeux, ils sont partis voir ailleurs. Hein. Là, il y avait peut-être déjà du online. Enfin, s'il y en avait, si ça les intéressait. Donc ouais, c'est pas forcément non plus déconnant hein, quand tu lances le multi, malheureusement, le solo, indépendamment l'un de l'autre. Les gens sont pas celle-là. Les gens sont déjà partis, comme tu le dis. Et ça bagarre, ça tire. Heureusement qu'on ne fait pas le trophée du parrain. On en aurait pour 3 ans à tirer sur la voiture. Tout ça à cause de ces neneux qui tirent pour rien. On va arrêter ici, hein, du coup. Bon, on va remettre la carte, c'est mieux. Il paraît qu'il y aura un Saints Row 6 qui sortira le 22 février. Ah, bah le 22 février, c'est aussi ce que je disais, Horizon Zero Dawn, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il a été annoncé pour cette 28... Non, ça c'est le 1. On veut le 2. Il me semble que c'est pareil. Le 18 février 2022, bah une semaine... Non, 4 jours avant. Donc voilà, faudra voir si les gens vont être plus intéressés par l'un, par l'autre, il y aura peut-être de la bataille, mais un Saints Row 6, j'en ai fait aucun. Ça disait que c'était quoi les deux premiers, voire qui étaient les meilleurs, ou en tout cas peut-être pas où ça partait pas forcément encore dans n'importe quoi. Le troisième qui commençait un peu, et après les suivants c'est un peu parti où ça voulait, que ça parte. Ouais, il n'y a pas longtemps pour le multi, effectivement. Il y a de plus en plus de choses sur la carte avec deux DLC et des nouveaux trophées. Ben, en espérant que ça réattire des chasseurs de trophées. Ouais, les deux premiers plus sérieux et après ça part un peu n'importe comment. Du coup, ben ouais, en espérant que ce qu'ils rajoutent dans le multi au final réattire des gens. Hein. Y a plus que ça qu'à espérer pour les joueurs qui sont sur le jeu. Hein. Sur Watch Dogs Legion 2, ben, je croise les doigts pour toi. Il y a malheureusement que ça à dire. Hein. C'est le contenu qui va faire venir les gens. S'il y a des trophées supplémentaires pour les chasseurs qui ont déjà commencé, qui ont le truc, ils viendront certainement. Mais après, faudra voir si ça les intéresse aussi. S'ils n'ont pas revendu le jeu, parce qu'il y en a qui achètent et puis qui revendent aussi sec derrière. Donc faut voir s'ils l'ont toujours aussi. Hein. Et du coup, ouais, les autres plus enfantins, apparemment. Bon, on voit un peu les trucs où tu peux te balader avec des gods, il me semble, si je dis pas de bêtises, peut-être dans le 3, des gods Miché haute. Ça m'a pas l'air très enfantin, tout ça, voyez-vous. Et du coup, c'est déjà dans une semaine, le Life is Strange True Colors, c'est ça? Ah, enfin, vu que je n'avais pas trop suivi, je savais pas trop la date... Mais je sais pas pourquoi, du coup je m'attendais peut-être un peu... Effectivement, oui, septembre, c'est vrai qu'il y a plusieurs jeux qui sortent en ce mois. On a donc Life is Strange, nous avons Kina, je ne sais plus comment ça se prononce exactement, Kina très certainement, vu qu'il faut certainement le dire à l'anglaise, qui m'intéresse, un Bridge of Spirits. Il y a quoi d'autre? Peut-être... Non, peut-être pas encore sorti. Ah si, Deathloop qui devrait sortir cette semaine, ce mois-ci. Et puis on a encore d'autres jeux moult et variés. Tales of Arise qui devrait aussi arriver incessamment sous peu, il me semble. Effectivement, dans une semaine apparemment pour lui. C'est vrai qu'il y a quand même quelques jeux en ce mois de septembre. Hein. On verra du coup, ouais, c'est...
Si on a peut-être pas un jeu qui arrivera peut-être à s'intercaler quelque part sur un stream chez quelqu'un, peut-être pas forcément moi. Enfin après je n'avance rien, évidemment je ne dis pas qu'il y en aura je ne dis pas qu'il y en aura pas, je ne sais pas. Le Kina, c'est vrai que je risque de le prendre aussi en Day One. Il sort quand je disais le... Non. Il a été repoussé au 21 septembre, ouais, c'est vers la fin du mois, on a encore le temps d'ici là, on verra. Et il y a le nouveau Nexomon, c'est plutôt le... Techniquement, le premier Nexomon, hein, vu que l'extinction, il me semble que c'était une suite du Nexomon. Du coup, on a le remaster, tant qu'à faire, de celui d'origine. Si je ne dis pas de bêtises, c'était ça le truc. Extinction, il me semble que c'est bien la suite de l'autre. Ça, c'est quoi? Septembre, j'y arriverai. Il sortirait quand, lui? Le 17. Le 17. Ah. Quoi que là, je vois que sur Switch. Enfin, c'est sur la. En tout cas, au moins sur Switch. Mais on aura certainement aussi sur les autres consoles. Mais du coup, ouais, bah, qui va être pareil que le premier, hein. Je ne sais pas du coup s'il va être aussi, on va dire un peu, vu que c'était un peu la fin du monde, on a l'impression dans le dernier, c'était un peu pourri là, enfin pourri, c'était la loose dans le monde de Nexomon avec les titans et autres, faudra voir l'histoire, mais ça risque certainement de le faire aussi, parce que j'aime bien quand même Pokémon, et puis j'ai bien apprécié le Nexomon, faudra voir, parce que, on a trop de jeux à faire, pas assez de temps malheureusement. T'as fait le début du 3 il y a longtemps, t'as jeté la manette sur ton frère comme si le jeu avait la peste. Oh, ils ont sali une Londres de Saints Row, je ne voulais surtout pas voir les autres. Ah oui, t'as vraiment pas du tout aimé le 3. Ah ça c'est clair et net. Donc non, il arrive aussi. Il arrive bien sur plusieurs consoles. Bah du coup, ouais, bah, faudra voir du coup si le Saints Row 6 suit la trace de ses prédécesseurs ou revient aux sources. Du 1 et du 2 et du coup se retrouve un beaucoup plus sérieux que les précédents. Enfin, j'espère pour toi du coup que ça sera le cas, hein, que tu vas pouvoir en tout cas pour toi va redorer le blason de la licence. Sinon ben faudra faire d'autres jeux malheureusement et on croise les doigts pour toi. Attends Chernobylite. Il va arriver le 10 sur PS4 et t'attends Far Cry 6. Ouais, Far Cry 6, bah, ça risque d'être comme les autres Far Cry, donc je sais à quoi m'attendre, je m'attends pas forcément plus que ça. Je me dis, ouais, peut-être le faire parce que j'ai fait les précédents et pour voir un peu l'histoire, mais enfin, je suppose qu'ils vont pas forcément changer plus que ça la recette, donc on sait vraiment à quoi s'attendre. Donc on sait surtout les points forts et les faiblesses, ce qui va un peu nous embêter. Chernobylite plutôt. Bilite, je vois pas du tout ce que c'est. Enfin, ça va certainement avec Tchernobyl, je suppose. Peut-être des monstres aussi, radioactifs, tout ça. Il sort quoi le... Ah, ben il est déjà sorti. Ah non, sur PC en tout cas. Attends, c'est quoi le truc? Je vois que ça dit. Il est sorti le 29 juillet sur PC. Et il va peut-être sortir effectivement sur d'autres supports, mais je vois pas forcément la date. Et quoi, on est en 86. Attends, donc on est en ancien ingénieur de la centrale de Tchernobyl. On a des visions. Ah, on est 30 ans plus tard quand même. Dans l'histoire, on a rejoint les Stalkers. Et du coup, c'est quoi un FPS ou un TPS? Un jeu de survie. Ok, un jeu de survie, oui, bah après, jeu de survie, pas forcément déconnant avec l'ambiance. On va avoir des vraies images, mais certainement un peu FPS, non? Mais c'est peut-être stratégie, c'est un peu comment le truc? Ça, du gameplay, faudra voir. Faudra un peu voir le truc pour voir si ça peut être intéressant, enfin, si ça peut m'intéresser ou pas. Le dictateur commence dans le 2. Xbox One le 3 septembre et le 10 septembre pour la PS4. Ok, ouais, effectivement, beaucoup de jeux qui sortent
En ce début d'année scolaire, l'école reprend et on sort enfin les jeux. Quelle idée. On avait 2 mois de vacances, mais non, on sort les jeux maintenant. Hein. Et le dictateur, c'est quoi ça le dictateur de Far Cry peut-être. Ou par rapport à Saints Row, c'est quoi ça le dictateur. Enfin, ça m'étonnerait pas que ce soit par rapport à Far Cry. À mon avis, oui. Enfin, oui, après, il y a le... Enfin, c'est vrai que ça fait un peu dictateur, le méchant. Avec le gamin. Ah, non, oui, c'est... Non, c'est même pas son nom. Donc, ouais, bah, faudra voir, de toute façon, ce que va donner ce... Ce Far Cry 6. Bon, je me doute que ça va être plus ou moins la même chose, comme je le disais. Et du coup, je vais quand même, à un moment donné, arrêter ici. Il va falloir que j'aille me coucher pour commencer. Parce que je travaille demain, comme certainement, peut-être comme vous. Je vous souhaite du bon courage, si c'est le cas. Alors, à l'origine, le jeu était sorti en 19 voix sur PC. Mais ils ont tout refait. Ouais, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu sorti aussi 2019 à l'origine. Le 16 octobre, d'ailleurs. Il y a 3 ans, ou presque. Et donc ils l'ont refait. Ok, d'accord. Bah, je regarderai si je n'oublie pas. Et du coup, bah, comme je l'ai dit, je vais aller dormir. Parce que je dois quand même travailler. Demain, je me lève malheureusement un petit peu tôt. Du coup, j'ai besoin un peu de dormir. Ça m'a fait plaisir de streamer. D'avancer dans le jeu. On a bien avancé. Ah non, il y a quand même encore pas mal de choses. On est à 80, oui, 90%. Il nous reste 10%. Non, c'est vrai qu'il y a le taxi. Si on fait pas le taxi, non. Avec le taxi, on n'arrivera pas. Mais il nous restera peut-être que ça, donc on fera peut-être pas le 100%. Il nous restera peut-être que le taxi. Mais il y a peut-être moyen que la semaine prochaine, on termine peut-être assez bien. En tout cas, tout ce que je voudrais faire. Faudra voir comment on joue. Si c'est pas trop difficile ce qu'il nous reste à faire. Parce que je sais qu'il va y avoir de la difficulté, il faudra voir comment je gère cette difficulté, si je meurs comme une merde très rapidement, ou si j'essaie de faire le beau jeu comme un idiot et du coup, faut tout recommencer pour la 25e fois. On a sauvegardé, oui. Donc pas de soucis là-dessus. En tout cas, merci, à bientôt. Donc jeudi prochain pour ma part, la suite de GTA, la suite et peut-être la fin. Pas sûr. Pour ma part, toujours Mass Effect 3, la suite mardi, on part sur une fin dégueulasse en principe, c'est ce que je vais tenter de faire en tout cas. Et sinon, pour les lives de la semaine, il nous reste Doudou qui va streamer du Céleste samedi après-midi, et on a Théodrem pour Yakuza 0 en compagnie de, si ça n'a pas changé, Goro Majima, c'est lui que j'ai vu en dernier. Faudra voir, il a réussi des choses, il a fait des choses, il se fait de l'argent. Pour vous, hors live, arrivera-t-il à continuer l'aventure? Viens des voir le talent, le gameplay, le skill de tous les streamers. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux, ou voir plus. En tout cas, bonne fin de semaine, bon courage pour le travail demain. Et si vous travaillez aussi du week-end, bon courage à vous. Et on se revoit pour ma part en live la semaine prochaine. A plus, bonne nuit, des bisous. Merci d'être passé. À la prochaine.